qui n'est pas un bon, mais qui est de ta responsabilité. Donc, tu aurais dû prier pour que Dieu t'amène la bonne personne pour parler à la maison, pour que toi, tu te focalises sur ce qui est ton combat. Nettoyer la maison, c'est ta responsabilité. Quand ta maison ne sera pas propre, tu vas crier sur toi. Pourquoi ta maison est sale? Mais en même temps, ce n'est pas ta charge. C'est ta responsabilité, mais c'est une charge que tu dois confier à quelqu'un. On mène les mauvais combats quand on n'a pas les bonnes personnes pour nous décharger. On se met à combattre ce qui prend de notre énergie. L'apôtre Paul prêchait comme ça. Il dit, je n'ai pas été appelé à baptiser. C'est-à-dire que plonger les gens dans l'eau, là, ce n'était pas son combat. Mais il prêchait le baptême. Et il laissait ses disciples faire le baptême. Parce que il faut l'onction pour baptiser. Donc, tu dois concentrer toute ton onction pour plonger les gens dans l'eau. Tu n'as plus d'onction pour prêcher. C'est la responsabilité du pasteur de s'occuper de la bonne gestion de l'église. Mais à un moment donné, il y a commencé à avoir des paroles sur la gestion de la nourriture dans l'église. Quand les apôtres ont prié, Dieu leur a dit, concentrez-vous sur la prédication et la prière. La gestion là, je vais vous donner des gens. Et il a donné le diaconat, des diacres qui sont occupés des gestions matérielles afin que les apôtres mènent le combat de la prière et de la prédication. Il y a des pasteurs qui devaient être des grands prédicateurs. Au lieu de se concentrer, ils sont en même temps, tu es en train de mener le combat d'homme d'affaires. Mais c'est un mauvais combat parce que ça disperse ton énergie. Ça fait que tes prédications ne sont pas puissantes. Ton ministère ne naît pas parce que tu as des combats qui ne sont pas les tiens. André, vous ne comprenez pas bien. Alors on va se tenir debout. Est-ce qu'on est ensemble? 1. Que l'Esprit du Seigneur t'aide à discerner tout ce qui est mauvais combat dans ta vie. 2. Ça veut dire les combats de distraction pervers. Que Dieu les éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. Les mauvaises compagnies qui t'attirent vers les mauvais combats, que Dieu les éloigne de toi. Que Dieu te révèle et te focalise sur les combats que tu dois mener. Il y a des combats aussi par saison. C'est-à-dire dans telle saison, ça devient de tes combats. Dans une autre saison, ce qui était ton combat de la saison dernière n'est plus ton combat de la saison suivante. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que durant que tu es en train de parcourir ce temps, Dieu va envoyer quelqu'un vers toi qui est chargé de te décharger de cela. On va prier le Seigneur Jésus. Tu pries de tout ton cœur. Tu t'assures que tu es épuisé. Tu es en train de te relâcher. Tu n'as plus d'énergie pour enfanter parce que ton énergie est finie dans des combats que tu n'aurais pas dû mener. Renda brada soro barana sonta raba brada sloria da raba bro. Roda brada sara barana sloria da raba brada soro barana ka. Reda brada sere barana sloria da raba bro. Reda baba shara barana sente rede bros. Raide sloria da raba brada soro barana claria da re. Rinda raba brada seke tere da bro. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas le combat de ta vie, que Dieu l'arrache de ta vie dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne à discerner les combats de ta saison. Amen. Que tes forces ne soient pas dispersées dans les fonds combats. Amen. Mais que Dieu te donne la force de mener le bon combat. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Amen. Et que tu te focalises et te concentres sur les bons combats de ta vie. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom Amen. De Jésus de Nazareth. Amen. Toute mauvaise charge, toute mauvaise focalisation. Ah Dieu, montre-les-nous. Montre-les-nous, Seigneur Dieu. Prions que Dieu t'accorde les hommes qu'il a oint, les personnes pour le déchargement dont tu as besoin. Père, tu as donné aux apôtres les diacres après qu'ils aient prié. Aujourd'hui, nous prions afin que tu accordes à chacun ici les personnes, Seigneur Dieu, pour que même les charges qui sont sous notre responsabilité ne deviennent pas pour nous une déperdition de force. Je te supplie dans le nom de Jésus. Je te supplie pour chaque homme et chaque femme qui écoute ce message en ce moment, Père, de nous donner de savoir orienter et de savoir nous battre pour le bon combat. Le bon combat. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit sur toi. Mène le bon combat dans le nom de Jésus. Mène les bons combats de ta saison. Dorénavant, apprends à discerner les choses qui sont de la distraction. Même si ce sont des choses valables, mais tu dois savoir que c'est de la distraction pour toi. Et te concentrer sur ce qui est essentiel. Les gens qui engendrent leurs projets, je vous assure, ils savent reconnaître les relations qui sont des pertes de temps. Ils savent reconnaître les activités qui sont les pertes de temps. Ils savent arriver à prioriser les choses. Rappelez-vous de ces 4 priorités que je vous ai données. Ça va arriver à prioriser les choses. Ça va arriver à prioriser les choses. Et à mettre leur énergie. Il y a de l'énergie dans tout. Mais
Les enfants sont sur le point de naître, mais tu peux manquer d'énergie pour les mettre, pour enfanter le projet, parce que tu as fini ta force dans d'autres choses, dans d'autres combats. Et Bouddha, tu t'es tellement battu pour ton foyer que tu n'as plus la force de faire monter une entreprise. Tu dis, mais mon foyer, j'aurais dû faire quoi? Et c'est là que je vais t'expliquer. Que les combats de votre destinée que vous n'arrivez pas à gagner, où votre force finit, mais vous savez que ce sont les combats essentiels, comme votre vie de prière. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Tu dis, Seigneur, restaure ma force, restaure ma vie de prière. Pour certains, c'est une bonne prière, mais pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas la bonne prière de prier pour que Dieu restaure votre vie de prière. Non. Je vais t'expliquer ce que c'est. Tu as le combat de ta famille. Tellement tu as fait des efforts pour réconcilier tes parents, pour réconcilier. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force. Tu dis, je ne vais plus m'occuper du problème. Mais le problème est sur ta tête encore. Tu n'as plus la force. La vraie prière, c'est ce que je vous ai dit dimanche dernier en fait. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la force de Dieu. La force de Dieu. Et je vous ai dit, c'est une bonne nouvelle que sur les choses importantes de votre vie, vos forces soient finies. Amen. Ta force ne peut pas mener certains combats. Surtout, enfanter ta destinée, il faut la force de Dieu. Amen. Il faut la force de Dieu lui-même. Et cette force-là, elle se trouve dans le Saint-Esprit. Et il faut la lui demander. La plupart des gens n'ont pas la force de Dieu. Parce qu'ils veulent que Dieu renouvelle, Dieu restaure leur ancienne force. Papa, relève ma vie de prière. Dieu dit, je ne veux pas relever. Je vais lever. Ce n'est pas re. C'est maintenant, je vais te donner ma prière. Avant là, c'est ta force, avec ta force que tu priais. Maintenant, c'est moi qui vais prier par toi. Papa, tu me demandes d'aimer. Je n'ai plus la force d'aimer. Ma fille, démissionne sur ton affaire de toi, tu peux aimer là. Le monsieur qui est là, toi tu ne peux pas l'aimer. Ton énergie d'amour est terminée. Laisse-moi entrer en toi et l'aimer au travers de toi. Tous les vrais combats de vos destinées, c'est normal que vous n'ayez plus la force. Parce que votre destinée est trop lourde. C'est quelque chose que Dieu lui-même a déposé en vous. La force humaine. Tu as vu? Mais même là où tu es, on doit même te féliciter pour ton courage. Ce que tu as fait jusqu'à présent, on doit se faire pour t'acclamer. Tu es extraordinaire. Alléluia. Mais ce n'est pas suffisant. Félicitations d'être arrivé à ce point. Félicitations. Parce que Dieu et toi, vous savez, toi-même, tu sais ce que tu as subi dans l'affaire. Amen. Et Dieu sait. Donc si aujourd'hui, tu as envie de jeter l'éponge, tu as totalement raison. Mais la vérité, c'est que pour réaliser sa destinée, Dieu ne comptait pas sur ta force. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence. Les montagnes ne se déplacent pas par vos forces. Les montagnes se déplacent par la force de Dieu. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et je vois la force de Dieu en train de descendre sur quelqu'un. Je vois la force de Dieu en train de descendre sur quelqu'un. Je vois la force de Dieu. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi le même apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 12, 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans toi, ta faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Paul avait compris le secret. Il dit, waouh, quand je suis arrivé au point où je n'en ai plus, c'est que c'est puissant. Il dit, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Lisons la dernière partie. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Maintenant là, c'est maintenant même que tu seras fort. Mais pour avoir cette force, il faut faire comme l'apôtre Paul. Il faut renoncer à ta force. Il faut renoncer à ton courage intérieur, à ton amour, à ton âme. Dieu, ce que le pasteur dit, je comprends. Mais je n'en peux plus. Dieu dit, c'est ce que j'attends. Depuis là, tu pensais que tu pouvais. Ça fait 7 ans que tu penses que tu peux. Tu n'as pas compris que tu n'y arrives pas. Je n'ai plus la force de prier. Il dit, c'est ça. Laisse-moi prier par toi. Je vais être la béquille de ta prière. Et tu ne vas plus prier. C'est moi qui prierai au travers de toi. Seigneur, je souffre. Laissez mon frère. Je n'ai plus la force d'aimer. J'ai pardonné, pardonné. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, on dit combien de fois on doit pardonner? Il dit 7 fois, 77 fois dans la journée. Frère, est-ce que Dieu peut compter? Qui d'entre nous peut supporter 10 injures d'affilée? On t'insulte. À un moment donné, tu ne peux plus avoir la force
de pardonner. Donc le chiffre même qu'il donne, cette fois 70, cette fois-là, c'est pour dire que toi, tu as échoué. Ce n'est pas un chiffre humain. C'est le chiffre 7, 7, 7. C'est le repos de Dieu. C'est-à-dire où toi, tu dors et puis Dieu prend les relais. Donc il dit, vous devez pardonner cette fois-là. C'est-à-dire que votre capacité de pardon est très limitée. Certains sont dans nos sens forts. Ils pardonnent. 5 fois 3. Elle dit pardonne 15 fois. Il y en a qui pardonnent 7 fois 2, 14 fois. Mais Dieu, le pardon à la perfection. Que sa force vienne en toi. Garde les mains. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta force. Dis Seigneur, moi je suis fatigué. Moi je n'en peux plus. Mais je compte sur toi. Je compte sur toi. Regarde les défis auxquels, sur lesquels tu te sens affaibli. L'apôtre Paul dit, les domaines dans lesquels je me sens vaincu. C'est pour cela que je lève les yeux vers le Seigneur. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et l'apôtre Paul est capable de dire en Philippiens chapitre 3, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de tout. Dans le livre d'Ésaïe 40, il est dit, ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent, c'est-à-dire Dieu leur donne une nouvelle force. Que la force de Dieu soit avec toi. Amen. Quel soit ton partage dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus, déclarez-moi. Amen. Donne un bon amen. Ésaïe chapitre, il dit, Ésaïe chapitre 40, il dit, ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force. Lisons-le ensemble. Ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils renouvellent. Ce n'est pas, renouveler, ce n'est pas restaurer. C'est deux choses. Dieu restaure les âmes, Dieu le fait. Mais à des moments donnés, Dieu te donne quelque chose de neuf, pas de réparer. Restaurer, c'est réparer. Renouveler, ce n'est pas réparer, c'est amener le neuf. Quand on dit, il faut renouveler ton téléphone, ce n'est pas faut réparer, c'est on va te donner un nouveau. Donc ceux qui se confient dans le Seigneur, qui ne se confient plus dans leur force, quand tu as fini, tu n'as plus confiance en ton intelligence, Dieu va te donner une nouvelle intelligence. Tu n'as plus confiance dans ton intelligence intellectuelle. Tu dis, je suis faible. Il dit, tu es prêt. Amen. Mais il y a des moments où on a besoin de la restauration. Mais ce dont je parle aujourd'hui, c'est ceux qui sont arrivés où, à leur limite, ils ont tout fait, ça ne va plus. À ceux-là, je dis, il existe une force nouvelle. Mais ce n'est pas la tienne, celle qui vient du ciel. Et tu dois dire à Dieu que je jette l'éponge par moi-même. Vis par moi. Vis par moi. Alors quelque chose va te prendre et tu vas réaliser des choses qui seront étonnantes physiquement, émotionnellement, spirituellement. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, je n'ai pas pu traiter le cinquième point, donc rappelez-moi, au culte précédent, je l'avais introduit, c'est la sagesse des fréquentations. La cinquième sagesse, la sagesse des fréquentations. Amen. Alléluia. La qualité de ce que tu enfantes dépend de la qualité de ceux C-E et de ceux C-E-U-X que tu fréquentes. La sagesse de la fréquentation, la qualité de tes produits, du fruit de ta vie dépend de ceux et de ceux que tu fréquentes. La qualité. Alléluia. On va le développer la prochaine fois. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Tu es béni au nom de Jésus. Nous allons dire merci à Dieu pour la parole. Qui a été béni par la parole? Qui a été encouragé? On va dire au Seigneur merci, on va lui apporter nos offrandes. Amen. Au Dieu, tous les cultes sont très décalés. Alléluia. On bénit Dieu pour toutes choses. Les paniers vont passer pour recueillir nos offrandes. Et au moment de la prière, on va rendre grâce à Dieu. On va prier aussi pour... après la Sainte-Cène, normalement, c'est la fin du jeûne. Amen. Alléluia. Qui a jeûné? Amen. Donc on conclut notre séjour de jeûne aujourd'hui. Et puis voilà, on va donner au Seigneur nos offrandes. On a l'évangélisation la semaine prochaine. On part à Bangolo et à Logwalé. Vraiment, que Dieu bénisse ton offrande pour le salut des âmes. Tu peux apporter au Seigneur, les paniers vont récupérer ton offrande. Les paniers vont passer pendant que nous suivons les Good News.
Gloire à Dieu. Une chose est d'avoir des projets, une chose est d'avoir une vision, et c'est une autre d'avoir les ressources pour accomplir cette vision. Dans la troisième bénédiction que Dieu a déclarée sur nos vies, Dieu dit ceci, « Ta corbeille et ta huche seront bénies. » Ça veut dire que tout chrétien, Dieu s'assure de lui donner le minimum. Alléluia. Ce n'est pas la bénédiction de la prospérité, mais c'est la bénédiction du « J'ai ce dont j'ai besoin ». Je ne manque de rien. J'ai besoin de santé, j'ai la santé. J'ai besoin de la paix, j'ai la paix. J'ai besoin d'amour, j'ai de l'amour. J'ai besoin du courage, j'ai du courage. Je ne manque de rien. J'ai besoin d'orientation divine, j'ai l'orientation divine. J'ai besoin de cela, j'ai besoin. La Bible dit que Dieu est mon Dieu, pourvoira à tous nos besoins. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins au nom de Jésus. Amen. Donc Dieu pourvoit nos besoins. Mon thème, le thème principal, c'est recevoir les provisions de Dieu. Car je me suis rendu compte que ce n'est pas que Dieu n'exauce pas. Ce que Dieu a dit, il le fait. Il dit que tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, je vais vous le donner. Et même avant de le demander à Dieu, je vous avais dit dans l'enseignement que Dieu a déjà pourvu avant que nous le lui demandions. Lorsque nous regardons la création, Dieu n'a pas attendu qu'Adam vienne et pour dire « J'ai besoin de nourriture ». Dieu a déjà pourvu à la nourriture. Il a créé le jardin. Adam est la dernière personne de la création. C'est-à-dire que Dieu a tout créé et pour terminer la création, il a mis Adam. Donc quand Adam est venu, tout l'équipement était déjà en place. Dieu connaît tes besoins avant que tu les exprimes. Les besoins sont, Dieu a déjà pourvu. Alléluia. Avant que tu ne naisses, avant que même tu ne sois dans ta croissance, Dieu avait déjà pourvu. La maison qui sera la tienne existe déjà. Les enfants qui seront tiens existent déjà. Ton mariage existe déjà. Dieu a déjà pourvu. Alléluia. La vérité de la vie chrétienne, c'est que nous devons plutôt saisir les choses que Dieu nous envoie. Nous devons plutôt recevoir. C'est pourquoi j'utilise le mot de recevoir. Il y a une différence entre demander, entre donner et puis recevoir. Dieu peut donner, mais tu peux ne pas recevoir. Pour illustrer cela, je vais prendre le pasteur Hervé et Olivier, venez. Amen. On joue le même rôle ou bien? Ok, d'accord. Ok, alléluia. Donc lui, il joue le rôle du diable. Celui qui est à gauche. Mais c'est, moi, ce n'est pas un bon rôle. Bon, quand, en tout cas, quand j'étais jeune, à l'église, quand on faisait les théâtres, là, je disais à mon pasteur, je joue tout, sauf le diable. Je ne veux pas jouer ce rôle. Amen. Mais des fois, on est obligé quand même. Donc, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un super frère. Il n'a rien à voir. Si Satan vient, il va lui couper la tête 10 fois. Donc, il est tranquille. OK. Et Hervé joue le rôle de celui qui reçoit. Le thème, c'est recevoir. Et en ce moment, je suis en train de parler des autels qui combattent les provisions que Dieu t'envoie. Les autels sataniques qui combattent les provisions que Dieu t'envoie. C'est ça. Je vais te montrer par cette illustration comment est-ce que ça fonctionne. Okay? Tu le vois aussi dans l'enseignement de Jésus sur la parabole du semeur, où il dit un semeur est sorti pour semer. Il a rencontré 3 types de sol. Le premier type de sol, il dit, le semeur a donné la semence, mais les oiseaux du ciel sont venus les prendre. Et quand Jésus interprète la parabole, il dit, les oiseaux, c'est le diable, c'est le malin. Donc, il y a des choses que Dieu envoie et le malin vient arracher. C'est pourquoi la Bible l'appelle le voleur. Satan vole les faveurs de Dieu. Ok? Dieu est un esprit. Et nous, à l'origine, nous sommes aussi des êtres spirituels. Le corps de l'homme est venu après la création de l'homme. À l'origine, Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a pris la poussière, la Bible dit Dieu a formé l'homme avec la poussière. Donc, il a donné une forme. Il n'a pas créé, mais il lui a donné une forme. Donc, nous sommes des êtres spirituels. Et Dieu nous envoie les choses de manière spirituelle. Et puis, par la foi, nous les réalisons dans le monde matériel. Amen. Alors, donc, Hervé représente celui qui demande. Dans ma main, je tiens ce qu'il veut demander, ce qu'il a demandé. Tu as besoin d'attention, de respect. C'est ton besoin. Ok? Et tu pries Dieu, Seigneur, donne-moi. Et Dieu vient. Il dit, mon fils, je t'envoie l'affection. Tiens. Non, tiens. Tiens. Tiens la paix. Tu veux la joie? Tiens la joie.
Tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer. Tiens le loyer. Tu veux payer l'école de tes enfants. Je t'ai dit que j'ai déjà tout pourvu. Je te pourvois selon tes besoins. Mon fils, tiens l'argent de l'école. Alléluia. Est-ce que je lui ai donné? Mais est-ce qu'il a reçu? Le thème principal, c'est recevoir. Dieu peut te donner, mais si tu as les bras croisés, tu ne vas pas recevoir. Il y a beaucoup d'entre vous qui, il y a longtemps, ont été déjà exaucés sur beaucoup de sujets, mais qui n'ont pas reçu. Alléluia. Alléluia. Les Écritures disent, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Donc, il faut pouvoir recevoir. Il faut pouvoir saisir ce que Dieu donne. Souvent, on dit, Dieu ne nous a pas donné, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas reçu. Alléluia. Pour recevoir, le moyen de recevoir s'appelle la foi. C'est la foi qui est le bras qu'il doit tendre. Alors, pour recevoir, si je dis, reçois, dis ce que tu veux. De recevoir quoi? La paix. Dis pas ce que tu as dit, tu vas recevoir. Dis ce que tu veux. Hein. Il dit, un jour, j'ai fait cette prière. Il y a une soeur qui s'est levée, elle dit, elle veut une Porsche Cayenne. Quelques temps après, elle a eu sa Porsche Cayenne. Donc, tu veux quoi? Qui veut une maison? Qui veut être propriétaire? Donc, il y a une onction en ce moment-là. Amen. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je tiens dans ma main quoi? Ta maison, ton mariage, ton enfant. Voilà. Donc, quand Dieu te donne, tu dois pouvoir tendre la main spirituelle et puis récupérer. Tu dois pouvoir prendre. Ça, c'est la réception. Alléluia. Je reçois. Et le bras invisible qui donne de recevoir s'appelle la foi. C'est ce qu'il explique en Jacques, chapitre 1, verset 5. Il dit ceci, Jacques 1, 5, on peut l'afficher rapidement. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Verset d'après. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un faux de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra, réception, qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a pas donné. Ça veut dire que Dieu a donné, mais celui qui doute ne peut pas recevoir. Il n'arrive pas à saisir. Donc pour saisir, il faut avoir la foi. C'est la foi qui est notre moyen de réception. Notre bras invisible qui va récupérer les choses que Dieu nous envoie et qui les met et qui les utilise dans la vie pratique. Amen. Ça, c'est la foi et c'est ce message-là qu'on va étudier quand je vais finir de parler de renverser les autels. Ok? Comment est-ce qu'on saisit les choses que Dieu envoie? Amen. Mais il se peut que quelque chose fasse obstacle même à la réception. Quelque chose qui ne dépend pas directement de toi, mais qui vient se battre contre tes réceptions. Et là, c'est le travail du diable et des démons. C'est pourquoi on les appelle des voleurs. Par exemple, tu dis, tu veux quoi? Donc ta voiture, ton voyage. Et au moment, mon fils, tiens! Tu veux l'argent, non? Tiens l'argent! Tu veux quoi? Vous ne voulez plus dire. Le diable est là. La maison tient. Dans le livre de Matthieu 13, il est dit que celui qui a reçu la semence sur le long du chemin, la semence, il n'a même pas eu le temps de sentir sa réception que l'ennemi est venu et a arraché. Et le diable est venu enlever. Alléluia. Il est venu enlever. Amen. Ou bien quelquefois, il a presque attrapé quand je lui ai laissé en même temps. Le diable. Alléluia. Voilà, amen. Donc, ça, il ne laisse pas la parole même s'installer. Deuxième combat spirituel, il dit, la parole est venue, elle a été reçue avec joie. La deuxième semence. Mais quand surviennent les troubles, les persécutions, ces personnes-là abandonnent la foi. Alors, là, on en a le cas où le diable se transforme vraiment en braqueur, en brigand. C'est-à-dire, tiens ta maison.
quand il a attrapé la maison, là, il le brigande. Voilà. Là, c'est un braquage. Alléluia. Le premier élément, il t'empêche même pratiquement de recevoir. Il bloque tes mains, il lie tes mains. Le deuxième, tu prends. Tu dis, merci Jésus, je viens d'avoir ce travail. Que ton nom soit béni. Et en même temps, comment est-ce qu'il t'arrache? Des adversaires se dressent contre toi. Tu as un combat. Des gens, tu ne sais pas d'où ils sortent. Ils viennent te combattre. Ils viennent te combattre pour t'arracher ton poste. J'ai vu des frères pour qui on a célébré Jésus parce qu'on venait de les nommer. Mais en même temps, des histoires se sont levées au travail et ils ont perdu le boulot. Et les persécutions, les tribulations peuvent être diverses et variées, mais elles combattent systématiquement. Donc il y a comme une force ténébreuse qui est cachée pour combattre. Soit elle t'empêche même de recevoir, ou quand tu reçois, il y a une série de persécutions et de problèmes qui s'abattent sur toi. Si tu as demandé quelque chose relativement à ta famille, à ton foyer, tu vois, la faveur arrive, Dieu commence à envoyer la paix, tu commences même à voir que, ah pasteur, depuis un moment je vais à l'église, avec mon congé, ça commence à aller. Le temps de comprendre, il y a de nouveaux palabres qui se mettent en place et la joie que Dieu t'avait donnée est arrachée. Le troisième type d'attaque du malin, la troisième semence dit, la personne-là ne donne pas son fruit à cause des séductions de ce monde. Alors là, le diable procède autrement. Tiens! On va parler en milliards. Qui veut milliards? Là, je suis d'argent. Tiens! Tes 10 milliards. 5 milliards. Tiens! Maintenant, là, c'est la séduction. Là, il vient. Il te manage. Il t'explique un petit truc. Et puis, toi-même, tu lui donnes. Là, par exemple, vous avez vu le diable qui a ruiné des gens. Il y a une période où il y avait ce qu'on appelait souvent les histoires de placement. On vient de dire, non, tu mets ton argent. Ça se multiplie. Oui, quand je parle de ça, ça beaucoup, c'est des blessures. Parce que toi-même, tu sais que le diable est passé par là. Le diable est passé par là chez qui? Dites-moi. Levez la main. Ça dit que personne n'est venu te voler, c'est toi-même. Les gens t'ont parlé d'un programme, on te dit non, il y a un programme qui est quelque part. Vraiment, si tu investis 1 million, 2 semaines plus tard, ça va devenir 1 250 000, 1 500 000. Et puis tu dis, ah bon? Ouais. Il dit, mais tel gars, il a planté ça, il a eu dit, mais aujourd'hui, là, je t'assure, en ce moment-là, il roule sur l'or. Tu laisses passer un mois, tu dis, mon frère, moi, voilà, est-ce que c'est sérieux? Et puis tu as au moins 5 gars. Tout ça, c'est la séduction du diable. Tout ça. Ça dit, il fait réussir au moins 20 personnes autour de toi. Tu te dis, non, l'affaire est sûre. Or, en fait, c'est toi qui guettes. Même les gens même qui l'a fait réussir, là, c'est en attendant. Parce qu'il a besoin d'avoir beaucoup de victimes. Et tu viens, tu investis 1 million. 1 500 000 ressort. Alléluia. Tu es vivant. Voici la solution contre ma pauvreté. Donc, tu émets 2 millions. Tu reçois 3 millions. 3 millions. 6. Et puis, il te dit, tu vois, ça marche toujours. Et il va te séduire de différentes manières. S'il veut te faire perdre ton travail même, il va dire, tu n'as même pas duré. Prends l'argent de la caisse que tu gères. Qui t'a dit, est-ce que ce n'est pas Dieu même qui t'a placé là-bas au début? Tu prends tout l'argent de ton fonds de commerce, de tes activités. Tu n'as même pas fait un détournement de quelqu'un. Même toi-même, ta propre activité. Tu te dis, je vais remettre ça vite en place. Je ne vais pas arrêter. Et tu prends tout l'argent et tu investis. C'est en ce moment précis que pour une raison ou pour une autre, soit l'État s'élève pour dire c'est n'importe quoi. Le gars dit, je vais te payer, mais l'État dit, je ne veux plus voir. En tout cas, peu importe la raison, c'est là que tu comprends que Satan était derrière et qu'il vient de voler tes années de travail. Tu as pris ton fonds de commerce. Tu dois chercher à rembourser la société dans laquelle tu travailles. Ton travail est mis en danger. Te voilà coincé pour un faux investissement. C'est toi-même qui as pris l'argent, les ressources que tu t'as données et tu les as données à l'ennemi. Tu as été séduit. Tu as été séduit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc voici comment travaille l'ennemi. Ok? Donc Dieu lui donne. Mais la Bible dit que Satan est un voleur. Satan vole comme ça. Il procède par plusieurs manières pour voler.
les vols de Satan, les blocages dans la provision de certaines personnes, sont ces blocages-là, pour certains, c'est ponctuel. C'est-à-dire, c'est deux ou trois fois, ils ont quelques problèmes. Mais il y en a d'autres. C'est très récurrent. Si tu observes ta vie sur une période, tu vas voir qu'il y a comme un plafond que tu n'arrives pas à passer. Il y a un niveau que tu n'arrives pas à passer. Quand les choses commencent à aller bien, il y a comme une force qui vient te ramener en arrière. Et tu es dans un perpétuel recommencement, dans un perpétuel recommencement. Les démons trouvent toutes sortes d'astuces pour t'appauvrir spirituellement, émotionnellement, matériellement, financièrement, peu importe. Il y a certains qui sont appauvris, pas financièrement. Financièrement, l'autel de Satan ne parle pas contre eux. Mais c'est émotionnellement, l'autel du diable parle contre eux. Il y en a d'autres, l'autel peut être dans un de ces trois domaines. Mais le diable te combat. Alors, lorsque cette attaque-là revient régulièrement, chaque fois que tu avances, tu es bloqué. Il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Il faut être conscient que ça veut dire que les démons l'attaquent tout le temps. Tu n'es pas simplement victime d'une attaque du diable. Derrière cette attaque régulière, récurrente, il y a un autel. Un autel. Un autel. A-U-T-E-L. Un autel qui est un point de connexion entre le monde spirituel et le monde physique et matériel. Par les autels, des démons peuvent opérer régulièrement, à fréquence régulière. Quand il n'y a pas d'autel, ils t'attaquent un jour, et puis 10 ans plus tard, ils refont une attaque. Il n'y a pas d'autel. Or, l'autel est une manière de les appeler systématiquement. Alors, il peut un hôtel, c'est quoi? C'est un peu comme un appel téléphonique. Il y a beaucoup de choses dans un hôtel. Donc, l'hôtel satanique va appeler certains démons. Les hôtels spirituels appellent le Seigneur et font descendre des anges. Alléluia. Qui viennent opérer en ta faveur. Les hôtels de démons font descendre des démons. Les hôtels diaboliques font intervenir des démons et des esprits impurs. Donc, quand tu reçois ta promotion, par exemple, l'hôtel a vu qu'on vient de te nommer directeur, parce que l'hôtel aussi sert de moyen d'espionnage. Donc, une fois qu'il a su, il va appeler. Esprit de division, viens, viens. Esprit de mésentente, viens, viens. Et quand l'hôtel appelle, le démon descend dans l'hôtel et l'esprit va dans ton travail. Et il va mettre la zizanie entre toi et puis le patron qui t'aimait hier. Il va vous diviser. Vous n'allez plus vous entendre. Le gars qui t'appréciait comme pas possible ne pourra plus te supporter. Et il va te faire partir. Donc, le démon est venu pour créer les troubles. Quand ça commence à aller bien dans ton mariage, dans ta vie, l'autel peut appeler toutes sortes de démons. Le plus important pour lui, c'est que tu ne possèdes pas ce que Dieu a prévu que tu possèdes. Donc, un autel est un moyen d'appeler de manière régulière et constante des esprits pour te combattre d'une certaine façon. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Certaines fois, il va appeler des démons d'alcoolisme, des démons du palabre. Il les appelle pour venir te combattre. Il les appelle pour venir te combattre. Donc, ces démons-là contribuent à ton appauvrissement. De sorte que les choses que Dieu te donne, tu n'arrives pas à les réceptionner et à les garder pour qu'elles puissent croître. Mais aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, les autels sont renversés. Les autels sataniques sont renversés. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Je renverse les autels de l'ennemi au nom de Jésus. Les autels sataniques sont renversés au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi que dimanche dernier, nous avons lu, donc vous comprenez que notre thème d'aujourd'hui, c'est toujours renverser les trois types d'autels d'appauvrissement. Et tel que je vois les choses qu'on a dites au culte précédent, je pense que dimanche prochain, on sera encore sur le sujet. Allons dans Juges chapitre 6, au verset 25. Amen. Donc aujourd'hui, on va commencer à apprendre comment est-ce qu'on combat et on renverse ces autels. Pour renverser un autel, il y a à peu près 5 étapes. Mais en fait, quand je me suis assis tout à l'heure entre les cultes, j'ai dit en fait, le premier point que je cite, c'est lui-même aussi un point. Donc, on peut dire 6. Alléluia.
Voilà, c'est le même point. Donc, précédemment, hier j'ai prêché 5, ce matin j'ai prêché 5, mais en fait j'ai traité 6. Donc je vais appeler le premier point là, ce que je vais aborder maintenant, le premier point. Et ça va faire 6 pour vous. Amen. Juste chapitre 6, verset 25, il est dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Alors, comme vous le savez, on l'a lu le dimanche dernier, Gédéon va agir de la sorte et il va renverser l'autel de Baal et Gédéon va bâtir un autel à Dieu. Donc, il a posé deux actes. Renverser et bâtir. Dis avec moi, je renverse, je bâtis, je renverse, je bâtis. Amen. Si on part dans 1 Roi, chapitre 18, 1 Roi, le chapitre 18, verset 30, 1 Roi 18, 30, on va lire, je crois que dimanche prochain, on lira ce texte-là, qui nous parle aussi d'un autre combat spirituel, où la sécheresse frappait Israël. Et là encore, le prophète Élie va traiter avec les entités spirituelles. Il va faire renverser l'autel destiné à Baal et à Astarté. Et il va faire ceci. Au verset 30, juste le verset 30 qui m'intéresse, il a dit, Élie dit, on lit ensemble, on peut le lire ensemble. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Si on continue, vous allez voir, il a pris 12 pierres. Tout ça, je vais développer la prochaine fois. Qu'est-ce que ça signifie? Il a pris 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels il avait dit, Israël sera ton nom, etc. Amen. Verset 32, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de Dieu. Donc, ici, dans l'histoire, la même chose s'est produite. Destruction d'autel satanique, rétablissement de l'autel divin. Alléluia. Donc, les autels spirituels sont des choses réelles. Même si aujourd'hui, le plus souvent, elles se présentent dans la troisième forme. Dimanche dernier, je vous ai dit qu'il y avait trois types d'autels. Et je parlerai, je vais vraiment développer le troisième type d'autel. Alléluia. Mais je veux rentrer déjà parce que je veux que la semaine, là, vous priez d'une certaine manière. Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je renverse les autels. Alléluia. Voilà. Donc déjà, sentez qu'un autel n'est pas une possession fixe. Très souvent même, tu n'es même pas possédé par le démon. Mais ils sont à côté et chaque fois qu'une bonne chose arrive dans ta vie, l'autel appelle le problème et le problème vient t'attaquer. Donc, c'est comme ça. Ce qui fait que si tu viens à la prière pour dire, pasteur, prie pour ma délivrance, on peut ne pas avoir de démons à chasser. Parce qu'en fait, les démons ils ne s'établissent pas. Ils se servent de l'autel pour revenir te mettre une pression. Alors quand quelqu'un a un hôtel qui le fatigue, en fait il a l'impression que toute sa vie n'est que combat, qu'il n'y a rien qui est simple quoi. Voilà, il n'y a rien qui est simple. Quand même les choses commencent à briller un peu, il sourit un peu, puis bam, après ça prend nos tournures. Mais Dieu est venu. Je viens de la part du Seigneur pour que tu renverses cet hôtel-là dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, pour terrasser un hôtel, la première des choses, amen, j'appelle ça le remplacement. Dis avec moi le remplacement. Le remplacement. Quand tu viens combattre contre un autel, quand tu sens qu'un autel est présent, il faut déjà savoir qu'on ne renverse pas un autel pour le laisser comme ça. Un autel satanique est systématiquement remplacé par un autel de Dieu. Amen. Très souvent, ce que les gens font dans le combat spirituel, il s'attaque aux autels sataniques. Je renverse l'autel que mes parents ont bâti. Je renverse. Mais quand tu as fini de renverser, là, il y a quelque chose qu'il faut établir. Tu ne peux pas renverser. C'est dangereux de renverser sans construire le nouvel autel. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit à Gédéon, va, renverse l'autel de Baal, bâtir un autel à Dieu. Dieu dit à Élie, renverse l'autel de Baal et rétablis l'autel de Dieu. Donc, quand vous rentrez dans cette guerre spirituelle pour vous attaquer aux autels, il faut en même temps prévoir l'autel de remplacement.
Vous suivez? Vous ne pouvez pas rentrer dans une guerre contre un autel sans penser à la suite. Rentrer dans une guerre spirituelle contre un autel sans avoir pensé au remplacement, à ce qui va remplacer, c'est exposer l'autel, c'est amener l'autel à reprendre sa place. Vous notez très bien que Dieu n'utilise pas l'expression « détruire l'autel ». Vous allez voir partout, c'est plutôt utilisé « renverser l'autel ». Donc un autel satanique est renversé. C'est comme s'il y a toujours bon des pièces du puzzle quelque part dans l'atmosphère. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il peut être reconstruit. En fait, c'est des, vous voyez, il y a des mauvaises herbes partout. Avant d'aller enlever les mauvaises herbes dans un endroit, tu as déjà prévu ce que tu veux faire. Si on vous voit envoyer un caterpillar, une machine, ou prendre une machette, et puis commencer à débroussailler une forêt qui était là, les gens vont vous poser la question, c'est pour faire quoi? Parce qu'on n'enlève pas les mauvaises herbes si on n'a pas un plan d'après. Parce que les mauvaises herbes repoussent. Quand tu commences à nettoyer un endroit, on te dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi ici? Ah non, je vais faire un champ de manioc. Je vais faire un champ. C'est-à-dire que tu as déjà prévu avant d'enlever. Quand tu n'as pas eu ton plan, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, manioc ou maïs ou quoi, tu n'enlèves pas les mauvaises herbes. C'est parce que tu as un plan que tu viens les enlever. On n'attaque pas un hôtel sans avoir un projet de remplacement. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu dois être conscient de ce que tu veux mettre à la place. C'est la raison pour laquelle il y a des, après quelques années de vie chrétienne, Dieu n'enlève pas tous les hôtels qui vous combattent. Parce que vous n'avez pas, souvent tu n'as pas la maturité pour remplacer pour combler leur vide. Donc Dieu te laisse construire dans ton cœur déjà ce que tu veux mettre à la place avant de dire attaquons l'autel. Donc aujourd'hui dans ces moments de prière, je ne dis pas forcément que tous les autels seront renversés, c'est pas forcément indispensable, mais juste la victoire que tu dois prendre maintenant. OK? Amen. Donc avant d'affronter un autel, il faut savoir où ta vie s'en va et qu'est-ce que tu veux faire. Si je veux construire un immeuble, il y a une manière d'enlever les mauvaises herbes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, déjà, supposons que vous détectiez que vous avez toujours des combats. C'est-à-dire que quand vous commencez à acheminer avec quelqu'un pour le mariage, ça finit tout en queue de poisson. Ça t'est pas arrivé une fois, mais plusieurs fois. Donc, il y a comme un hôtel qui parle contre ton mariage. Il y a comme un hôtel qui parle contre ton enfantement. Tu as prié pour que Dieu te donne des enfants. Dès que tu tombes enceinte, quelque chose vient se produire et t'enlève la grossesse. Ça ne s'est pas passé une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais plusieurs fois. Tu te dis, ah, il est fort probable que j'ai un hôtel qui combatte l'enfantement. Chaque fois que tu as un peu d'argent, il y a des événements qui surviennent pour que tu les perdes. Ça ne s'est pas arrivé une fois, deux fois. C'est-à-dire, après 30 ans de travail, tu regardes l'épargne. C'est comme si quelque chose vient bouffer ton épargne. Il y a toujours un faux placement qui apparaît à un moment donné qui fait que ton épargne n'est pas conséquent et ne reflète pas le nombre d'années de ton travail et la discipline financière que tu te donnes de faire des épargnes. Il y a quelque chose qui vient récupérer ce que Dieu te donne. Il y a un hôtel en place, tu vas le localiser, tu vas le combattre. Alléluia. Donc une fois que tu l'as localisé, tu te dis, je vais le remplacer. Je ne renverse pas un hôtel pour laisser le vide parce qu'il va revenir. Je dois le remplacer. Alors, un hôtel est quelque chose qui appelle une puissance. Si je renverse un hôtel qui appelle une puissance démoniaque, je dois placer des choses qui vont appeler la puissance divine. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un hôtel. Quelque chose qui est là, qui est stable. Amen. Amen. Alors, supposons que chaque fois que je vais être heureux avec mon mari, l'hôtel appelle la division conjugale. Donc, qu'est-ce que l'hôtel satanique fait? Esprit d'incompréhension. Esprit de division. Viens, viens, viens. Et le démon arrive. Et un jour, une cuillère est déplacée. Hier, on a déplacé la cuillère, il n'y a pas eu de palabre. Avant-hier, on a déplacé même le verre, il n'y a pas eu d'histoire. Et ce jour-là, pour la cuillère, ma chérie, je t'ai toujours dit que je veux la cuillère à droite. Et puis, ce jour-là, ça l'énerve. Mais pourquoi tu n'aimes pas que la cuillère soit à gauche? Depuis, ça fait quoi si la cuillère est à droite? Il dit, mais
Le lion se dit, mais moi je suis chez moi à la maison. J'ai le droit de savoir dans ma maison où je veux que les cuillères soient placées. Mais tu dis, mais qu'est-ce que ça fait? À cause de cuillères, tous les jours tu vas me reprocher comme ça. À cause de cuillères. C'est un petit palabre de cuillère, hein? Mais c'est que ça devient après. Et puis après ça devient, d'ailleurs même toute ma vie ça a été comme ça. Toute ma vie tu n'aimes pas ce que je fais. Quand je fais quelque chose tu n'aimes pas. Il dit, mais comment tu peux dire que je n'aime pas ce que tu veux? Toi et moi on n'aime pas les mêmes choses. Et ça va comme ça, ça va. Maintenant après c'était la cuillère, maintenant c'est devenu toute notre vie. Dans ma vie là, je vois même que tu m'as jamais aimé. On est arrivé dans jamais aimé, on était sur la cuillère. On a fini dans jamais aimé. Il y a des démons qui sont là en train de vous dire, tu as vu ta cuillère là. Est-ce que le monsieur là t'a déjà aimé dans ta vie même? Est-ce que t'as déjà aimé? Puis tu es là et puis il te montre les faits. Il te rappelle votre histoire. Quand vous étiez encore fiancés, la manière dont il n'a pas apprécié tel cadeau. Tout te revient dans la tête. C'est un démon qui est sorti de l'hôtel, qui est en train de bombarder ta tête. Parce que là il a un objectif. Que tu te sépares de ton mari. Ah oui. Et il commence. Donc vous êtes sur la cuillère. Et puis il te dit, tu vois, lui-même il met dans ta tête, toute ta vie, il t'a jamais aimé. Ouais, t'as même toute ma vie. Quand je bois mon passé là, quel jour même tu as aimé une chose que j'ai faite? Quel jour tu as aimé ce que j'ai fait? Tu n'as jamais aimé. Tu n'as jamais aimé. Oh non, non. Et puis il y a une phrase des parents qui vont sortir là-dedans. Et puis le monsieur dit, je ne te permets pas de parler de ma mère. Ma mère. Dans la cuillère, de la cuillère, on arrive à la maman. Hein? De quelle affaire? Comment les parents sont venus dans ce film-là? Les parents rentrent là-dedans. Je ne supporte pas ça. Tu n'as aucun respect pour mes parents. Tu n'as aucun respect pour mes parents. Mes parents. Mes parents. Tes parents. C'est une affaire. La nuit, ils ne dorment pas ensemble. Monsieur est tellement fâché. Il a enlevé chacun dans son coin. Il ne se parle pas 3 jours. Et puis le démon vient souffler là-dessus. Le démon arrive. Ne vous parlez pas. Ah. Non, aujourd'hui, là, trop, c'est trop. Tu dois en finir. Ça veut dire que. Non! Et puis il commence. Et puis il commence à te mettre des idées. Et si même, et si, je crois que ce foyer-là, tu n'as jamais été heureux. Il faut que tu partes. Dans la vie, ce qui ne marche pas, il ne faut pas forcer. Ce qui ne marche pas, il ne faut pas forcer. Oh, oh, oh. Et puis tu es là. Tu entends des voix comme ça. C'est les démons. Hein. C'est les démons. Et vous voilà parti. Après, il faut appeler les parents pour venir réconcilier. C'est devenu une affaire mondiale. Mais si vous regardez l'origine, le premier palabre, c'était une cuillère. Alléluia! Qui a déjà vu ce type d'hôtel là? Ah, on est nombreux ici. Hein? Amen. Voilà, ça, un démon de Pala peut vous créer ça. Un démon de Pala peut vous créer. On n'a pas besoin d'avoir un hôtel pour créer ça. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est la fréquence en fait. Ça revient une fois, deux fois, trois fois. C'est-à-dire que chaque fois que vous entrez dans un bon moment, il y a comme quelque chose qui réapparaît pour détruire vos bons moments. C'est-à-dire que c'est... C'est trop fréquent. La Bible dit quoi dans le livre de Justice? Il dit, chaque fois qu'Israël allait moissonner, les Madianites arrivaient. C'est-à-dire que chaque fois que ce qui est bien arrivait, les Madianites aussi arrivaient. L'autel fait de l'espionnage. Et il envoie régulièrement vers toi ce qui va casser ce que Dieu t'a donné. Donc il vient arracher ce que tu as reçu. Vous devez terrasser les autels. Mais quand tu vas venir contre lui, tu dois avoir un autre autel. Qui au lieu d'appeler le malheur, lui appelle le bonheur. Alléluia. Tu n'enlèves pas l'autel qui amène les palabres sans le remplacer par l'autel qui appelle la paix. Ok, je chasse le démon de palabres de mon couple, mais je ne dois pas seulement me contenter de renverser l'autel. Je dois bâtir, je dois rétablir. L'autel de Dieu se construit. Ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu as chassé les démons que ton immeuble va apparaître. Ce n'est pas parce que tu as débroussaillé la forêt que les maïs vont commencer à pousser. Les maïs, ça se décide. C'est un plan. Si tu veux qu'il y ait un immeuble sur ton terrain, ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises herbes qu'il n'y a pas l'immeuble. Mais tant que les mauvaises herbes sont là, tu ne pourras pas construire l'immeuble. Donc tu dois enlever les mauvaises herbes et tu dois faire le travail de déposer les briques de l'immeuble. Donc, quand vous rentrez en guerre spirituelle contre les autels, préparez en même temps vos briques, vos ciments, vos pierres pour bâtir ce que vous voulez bâtir. C'est-à-dire que tu as un plan. Que si j'enlève le diable, voilà ce que je mets à la place. Alléluia. C'est la première sagesse pour renverser un autel. Sinon, il revient. J'enlève l'esprit de palabre de mon couple. Je mets quoi après? Je mets quoi? Je mets la paix. Et la paix, est-ce que je vais la laisser arriver seule? Non, je la construis. Et je me rappelle. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois poser ça en termes d'autel. En termes d'autel, ça veut dire que ce sont des paroles qui sont là constamment. Je vais volontairement, je vais me lever. Aller voir par exemple quelqu'un, j'aime des tableaux, j'aime la déco.
Je vais demander à ce que ma maison soit écrite quelque part. Amen. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je dois marquer quelque part, alléluia, que la joie est le partage de ma famille. Ça doit être dit, parce que c'est une voix qui parle. Donc quand même les gens rentrent dans ta maison, il faut qu'ils soient les plus dits. Il y a la paix dans ma maison. Toi-même, tes yeux à ton réveil doivent avoir la parole opposée à ce qui te détruisait. Tu dois avoir des paroles d'encouragement. C'est la raison pour laquelle quand vous sentez que vous voulez la paix, vous voulez avoir des ressources parce qu'un hôtel combat votre richesse, vous devez vous-même commencer à voir. S'il m'empêche d'être riche, je dois commencer à avoir des paroles de prospérité dans ma maison. Alléluia. Je dois remplir ma maison de paroles de prospérité. Je ne dois pas simplement dire, esprit pauvre, va-t'en. Quand j'ai fini de dire, va-t'en, je dois dire, je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Ma maison est une maison prospère. Amen. Vous savez, c'est la raison pour laquelle souvent les mouvements où on fait des combats spirituels sans construire, les combats ne finissent pas. C'est-à-dire, les gens, il y en a, ils sont là. Nous, on est un ministère, on combat tout. Mais on dit, qu'est-ce que vous construisez? Ils disent, non, on combat. Donc, ils sont là, c'est comme si le champ est là. Quand les mauvais avaient coupé, quand on a fini de taille, on fait quoi? On dit, maintenant, on aura la paix. Mais tu n'auras pas la paix. C'est juste quelques jours, le temps que ça repousse. Donc, vous rentrez dans des combats qui n'en finissent pas. Donc, le combat spirituel est réel. Mais un combat spirituel s'arrête réellement quand tu as mis la paix. La paix se construit. La paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre qu'il y a la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, je détruis l'esprit de guerre, mais je bâtis l'esprit de la paix. C'est comme ça, c'est ce que j'appelle, amen, la notion de remplacement. Dans ma tête, je conçois ce que je vais mettre à la place. Quand vous voulez renverser un hôtel, vous devez déjà penser. Donc Dieu dit à Gédéon, tu viens avec deux bœufs. Le premier, tu le prends dans la maison de ton père, c'est lui qu'on va prendre pour renverser l'hôtel de Baal. Deuxième, donc tu as déjà son plan de remplacement. Tu prends un bœuf de 7 ans, parce que Satan vous a volé pendant 7 ans. Tu prends un bœuf de 7 ans, tu le prends comme ça. Voilà ce que tu vas bâtir. Voici ce que tu vas utiliser. Donc, Dieu a déjà, avant que Gédéon n'aille renverser l'autel de Baal, Dieu avait déjà mis l'autel de remplacement qui était là. Tout le plan, la façon dont il devait être bâti était déjà conçu. Est-ce qu'on est ensemble? Que cette sagesse-là soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La deuxième chose, pour renverser un hôtel. Donc, quand tu as commencé à prier par rapport au remplacement, là, nous partons dans le livre de 1 Roi, chapitre 13. Quelqu'un donne un bon amen. Vous êtes calme aujourd'hui, vous réfléchissez. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, premièrement, donc, je dois penser au remplacement. Deuxième chose à faire, on va la trouver dans 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Attendez, pause. Je veux que vous remarquiez l'expression qui est utilisée pour parler contre l'autel. Il est dit, il cria. Il n'a pas crié contre Jéroboam. Il n'a pas crié contre les prêtres, même s'il y a une parole qui va les concerner plus tard, mais il a crié contre l'autel. Donc, il cria contre l'autel, on continue, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel
de Bethel. Donc notez bien encore ici. La parole qu'il a criée. Il dit, il n'a pas entendu, il n'a pas écouté seulement la parole. Il a entendu une parole qui a été dite en criant. C'est important de savoir que un autel, on crie là-dessus, on ne parle pas. Ce n'est pas la prière. On crie contre un autel. Okay? Donc, que l'on crie contre l'autel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. On lit ensemble le verset 5. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, première étape, je pense déjà au remplacement. Quand je veux me battre contre un autel, je vais renverser un autel. Je vois l'autel qui vient par la suite. Et je peux l'avoir dans la prière pour dire, Seigneur, quel est le rêve que tu as pour mon couple? Comment tu vois mon foyer? Quelle est la vie financière que tu veux que j'aie? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Tu dois voir. Quand j'ai abordé l'épisode sur le rétablissement, comment on bâtit l'autel de Dieu, vous allez voir que c'est très important. Alléluia. Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? Comment est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux voir? Si j'ai un autel qui vient réclamer mes enfants quand je suis enceinte, je dois voir aussi les enfants que je vais avoir. Je dois penser à eux. Amen. Donc ça, c'est la notion de remplacement. La deuxième chose qui était pour moi la première au culte de samedi et ce matin, au premier culte, c'est recevoir l'onction prophétique. Est-ce que vous êtes venus avec vos huiles? Ceux qui sont venus à l'huile, levez la main. Voilà, aujourd'hui j'ai fait une première prière, mais dimanche prochain, venez avec cela. Est-ce qu'on est ensemble? Vous vous rappelez, en début d'année, je nous avais fait prier avec l'huile d'onction. Je vais dire, on avait trois huiles. Qui s'en souvient? Huile du prophète, huile du sacrificateur, huile royale. L'huile dont on a besoin pour dimanche prochain, c'est l'huile du prophète. Pour renverser un autel, il faut une onction prophétique. Ouais. Il faut recevoir l'onction prophétique. Donc, quand je vais renverser un autel, j'ai un moment de prière. Je ne viens pas, je te renverse. Non, non, non. Il ne faut pas commencer comme ça. Ta parole n'a pas... C'est un autel, ce n'est pas un démon. Il faut qu'il y ait beaucoup d'énergie dans tes propos. Il faut que ta parole ne soit pas simple. Ta parole libère de la puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut l'onction. Il faut l'onction. Et cette onction-là, elle est là déjà potentiellement. Est-ce que vous me suivez? Parce que Jésus a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'il faut l'onction? Car Jésus dit, en Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, Jésus dit, parce que on parle de délivrance là. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs des prisons. Donc, sans l'onction de Dieu, ta parole n'a pas trop de puissance. Dans la vie pratique, ça ressemble à quoi? Vous savez, je vous ai dit que Luc 4, 14, la Bible dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Je vais plutôt vous enseigner là-dessus. L'onction, là, ce n'est pas que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est comme si on t'habillait. L'onction, c'est un revêtement. La Bible dit Jésus revêtu. Donc, c'est un habit. C'est un habit. OK? Alors, quand on dit recevoir l'onction, c'est quoi? C'est recevoir un type d'habit spirituel. Ça ressemble à un policier. Tu es comme un policier. En tant que corps habillé, tu as une tenue, mais tu ne la portes pas tout le temps. Dans cette salle ici, quels sont ceux qui sont corps habillés, qui sont en tenue civile? Est-ce qu'on a des frères policiers, gendarmes, militaires qui sont là? Si vous êtes là, levez simplement la main. Bon, on a frère Olivier tout à l'heure, donc il lève la main. Alléluia. Voilà, OK? Mais ils sont en civil. S'il va dans sa tenue civile pour arrêter une voiture qui vient de ne pas respecter le feu rouge, et puis il est en civil, est-ce qu'il peut s'hasarder au milieu de la route en civil et puis dire à la voiture? OK. Est-ce qu'il peut faire ça? Il risque de se faire renverser. Mais il peut prononcer la même parole. Il peut dire,
vois-tu, arrête-toi. Quand on est en civil, on peut dire ça, non? Mais est-ce que si je suis en civil, je dis voiture, arrête, la voiture va s'arrêter? Mais si je change d'habit et que je porte la tenue policière, la même phrase prononcée, voiture, arrête-toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas besoin même de parler, tu fais comme ça. La voiture. Gloire à Dieu, juste parce que j'ai porté un habit différent. Ma personne n'a pas changé, mais j'ai juste changé une tenue et ça a donné à ma voix une autre puissance. La tenue du policier fait que son bonjour n'est pas le bonjour d'un civil. Son s'il te plaît, arrête-toi. D'ailleurs, il dit pas s'il te plaît. Quand il dit arrête-toi, tu vas t'arrêter. C'est la raison pour laquelle une fois que vous avez le revêtement, ça ne dépend pas de votre musculature. Une petite femme mince, frêle, que tu peux frapper. Moi, j'aime trop ça. Quand je vois les jeunes filles policières, parce qu'il y en a plein maintenant. C'est trop beau. Puis elles viennent, elles sont à l'aise sur le bitume comme ça. C'est-à-dire que les voitures viennent, puis tu ne vois pas. Elle rentre sur la route. Elle va l'arrêter. Hein. Elle rentre comme ça. Quelle que soit ta grandeur, tu étais dans un gros camion, elle s'en fout. Tu étais dans une voiture qui partait, on s'en fout. Ce qui est sûr, elle est en tenue, elle dit comme ça. Tu vas freiner, tu vas t'arrêter. Alléluia. Sa parole a de la puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Parce qu'elle est en tenue. La même demoiselle est toujours policier, mais si elle s'arrête en civil pour faire la même chose, on peut la cogner, on peut dire, vous êtes folle. Ok, donc quand vous voulez vous battre contre un hôtel, vous devez venir revêtu de votre habit spirituel. Alléluia. Vous devez venir revêtu de votre habit spirituel et crier contre l'autel. Dis autel, pas. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ceux qui ont des huiles, vous allez passer un peu à vos voisins. Amen. Mais dimanche prochain, on fait l'habit. Donc, l'huile, ça représente l'onction. Donc, c'est ce symbole-là qu'on va utiliser pour faire les déclarations prophétiques. Qu'est-ce qu'on a ensemble? Donc, même quand tu es à la maison, que tu t'apprêtes à renverser des autels, tu as fait le remplacement, tout ça. Deuxième chose, rentre dans la présence de Dieu, Père, recouvre-moi de ton onction. Recouvre-moi de ton onction. Recouvre-moi de ton onction. Je veux parler, recouvrir de ton onction. Tu pries, à un moment donné, tu sens que Dieu t'a habillé. Et puis tu te redresses. Tu fais un petit sourire dangereux. Tu as fait mal au diable. Ah, je vois des gens dangereux dans cette salle. Je vois des renverseurs d'hôtels. Je vois des renverseurs d'hôtels. Je vois des renverseurs d'hôtels. Quelqu'un donne un bon amen. Waouh, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, une fois que vous avez l'onction prophétique, ne vous précipitez pas pour prier en désordre. Je casse tous les hôtels. Reste tranquille, reste tranquille. Là, c'est laquelle est l'étape maintenant là? Remplacement. Onction. Maintenant, troisième chose, localisation. Dis-moi, localisation. Localisation. Alléluia. Quand l'onction prophétique vient sur toi, pourquoi c'est une onction prophétique et une onction royale? Parce que l'onction royale aussi, avec l'onction royale, tu peux renverser aussi des hôtels. Mais tu as besoin de l'onction prophétique parce que l'onction prophétique peut te permettre de voir ce qui est caché. Ok? Car beaucoup d'hôtels sont cachés. Beaucoup d'hôtels ne sont pas évidents. Donc, Dieu dit à Gédéon, va dans la, renverser l'hôtel qui est dans la maison de ton père. Vous voyez très bien qu'il y a une localisation où il se trouve exactement. Ici, dans le 1 Roi chapitre 13, il dit l'hôtel est à Bethel. Donc, un hôtel a un type d'emplacement virtuel ou physique que l'Esprit du Seigneur t'aide. Donc, quand tu as reçu l'onction, dis Saint-Esprit, où est-il? Montre-moi la zone, le domaine à partir duquel ces démons-là m'attaquent ou attaquent ma maison ou attaquent mon foyer. Seigneur, c'est quoi? Donc, tu dois localiser l'hôtel. Dis avec moi, je localise. Je localise. Je localise. Qui est prêt pour la prière de tout de suite? Non, vous t'amène. Je localise. Alléluia. Que tout ce qui a été caché, je déclare dans le nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur t'aide à voir. Tout ce qui a été enterré, tout mystère caché, tout hôtel placé dans ton subconscient, dans ton, que Dieu te donne de localiser.
Cette nuit, tu localises. Pendant que je suis en train de prier, tu localises. L'Esprit du Seigneur, si toi t'aides à localiser où se trouve la source du problème. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, c'est là dans la localisation que je reparle à nouveau des trois types d'hôtels. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que l'Esprit peut t'envoyer vers un de ces trois types d'hôtels. Les premiers hôtels, les premiers types d'hôtels sataniques par lesquels le diable attaque, ce sont des hôtels qui ont été bâtis par des démons suite à des incantations ou à des dédicaces. Alors en fait, pourquoi Satan peut t'attaquer? Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que quelqu'un de manière mystique a consacré à. Les hôtels sataniques sont des endroits que un sorcier est venu et puis dit, c'est moi qui ai bâti ce village, c'est moi qui ai bâti cette famille, je suis le père de cette famille. Et puis il appelle l'esprit, il dit, je te donne tout ce que Dieu m'a donné là, je te consacre ça. Donc, ce moment où le père, où l'arrière, où l'aïeul a dédié les membres de cette famille à un esprit donné, c'est là que l'autel spirituellement est bâti. Et quand tu vas aller le renverser, Dieu va envoyer ton esprit par l'onction de Dieu. Tu vas te retrouver il y a peut-être 200 ans quand votre aïeul a dit que cette famille-là allait être poursuivie, mariée, tous à des esprits de mari de nuit, à un piton où à la naissance on lave les enfants, on fait des incantations. Il faut que tu ailles dit crier sur cet hôtel et que tu ailles lui expliquer. Hôtel, hôtel, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis né de nouveau, je te dis dorénavant tu te tais. Est-ce qu'on est ensemble? On crie sur un hôtel, on ne discute pas avec lui. Amen. Alors si vous n'avez pas de localisation précise, c'est pas grave. Si tu penses à ça, que tu commences à prier en langue, ton esprit s'en va là-bas. Tu descends dans le quartier où on a fait la chose. Et tu ravages. Tu ravages. Tu ravages. Donc, les hôtels démoniaques viennent de certaines dédicaces. Dédicaces. On a dédié. Quand tu es là et puis tu dis, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Toi, en tant que chef de famille, tu viens de décréter ça sur tes enfants. Les anges, Dieu, dans les années plus tard, même si ton enfant veut être païen, cette parole-là fait que des anges vont descendre pour dire, petit, 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 ton papa a dit que toi, là, tu appartiens à Dieu. Quitte le monde. Allez, 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 allez. Quand tu es un père de famille et que tu dis, dans ma maison, il n'y aura pas de drogue, il n'y aura pas de débauche, et que tu dédies tes enfants, toi tu es un père, tu bâtis un hôtel sur ce que tu vois pour ta famille, alléluia, de sorte que les anges, Dieu, un intercesseur, si l'enfant même veut dévier, que quelqu'un puisse monter en intercession pour dire, nous réclamons cet enfant. Pourquoi on le réclame? Parce que son père l'a dédié. C'est ces puissants hôtels-là qui gardent le peuple qu'on appelle les Israélites. Ils sont consacrés à Dieu. Ils sont dédiés. Donc, ils sont païens, mais il y a une grâce sur leur vie. Ils sont bizarres, mais il y a une grâce. Donc, ne jouez pas avec vos enfants. C'est-à-dire, depuis qu'ils sont dans les ventes même là, tu bâtis l'hôtel, je te dédie, je te consacre, tu es béni, je te bénis. Ne passez pas votre temps à critiquer vos enfants. Bénissez-les seulement. Je dis, tu es dédié à Dieu, je te bénis. Alléluia. S'il n'y a pas d'hôtel satanique, avant même que Satan pose son hôtel, toi, pose pour toi déjà, pose l'hôtel de Dieu. Bâtis l'hôtel de Dieu. Ok? Si le diable veut détruire ton enfant, il va essayer de s'attaquer d'abord à l'hôtel spirituel que tu as bâti. C'est-à-dire à le faire retrograder, à le faire régner Jésus. Mais que ton hôtel soit solide. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, premier type d'hôtel satanique, il vient parce que des personnes ont été dédiées à des esprits impurs, à des démons.
Et tout de suite, je te dis, comment on renverse ça? C'est un petit problème. Petit problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième type d'autel démoniaque. C'est ce avec quoi on avait terminé le culte la dernière fois. Ah non, non, pardon. Premier type, autel démoniaque, je l'ai oublié. Il y a une deuxième forme d'attaque autel. Alors là, c'est très souvent des objets dédiés à Satan que vous possédez. Des objets dédiés au diable. Consacrés à Satan que tu possèdes. Satan peut s'en servir comme point d'autel. C'est quelque chose que j'ai souvent vu. Parce que le premier type d'autel satanique, c'est très souvent à votre conversion, vous confessez et puis vous êtes délivré de ça. Tu dis, mes parents ont fait ceci, mes parents ont fait cela, mais je suis né de nouveau, je marche avec. Donc, franchement, si tu le fais avec assurance, si tu cries contre l'autel, tu es sérieux, il n'y a rien à faire, ça saute. Oui, parce que tu es une nouvelle créature en Jésus. Donc, tu vas rappeler. Les démons menteurs avant venir dire, non, son papa a dit. Mais toi, tu dis, son papa a dit. Il dit, mais lui, là, Dieu, toi-même, tu viens, tu dis, Dieu, mais je suis né de nouveau. Ce que mon papa a dit, ça ne me concerne plus. Je marche avec Jésus, je ne suis plus concerné. Amen. Mais j'arrive tout de suite. Alléluia. Voilà. Parce que Satan, c'est un menteur. Vous voyez, non? Il y a des fois, vous partez acheter des terrains. Tu suis tous les papiers. Puis, il y a un gars qui sort là-bas. Et qui va te dire que non, lui, il est le vrai propriétaire. Et vous, vous ne vous laissez pas faire. Vous sortez tous vos dossiers. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous ne devez plus rien à Satan qu'il ne va pas tenter de vous récupérer. Il peut venir par intimidation. Alors, quand des voleurs veulent prendre ce que tu as acheté légalement, tu leur tiens tête. Et tu vas rétablir le droit. Tu ne les laisses pas faire. Tu ne les laisses pas, ah bon? Eh ouais, mon frère qui t'a vendu là, ce n'est même pas mon frère. Tu as dit, mon frère, tu parles de quoi même? Moi, j'ai déjà acheté ça. Donc, Jésus vous a acheté un grand prix. Mais ne pensez pas que ce n'est pas dit que Satan va venir. Satan, c'est un malot. C'est-à-dire que... Il sait très bien que Jésus vous a racheté, hein, mais il va venir vous dire quand même que ton parent t'avait donné. Donc si toi tu es fleque, tu vas te laisser intimider par ces mensonges. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc je disais, l'autel numéro 1, des objets dédiés. Ça c'est très fréquent par contre. J'ai souvent vu cela. Où des personnes vous font des dons, ou même des parents, mais le don qu'ils t'ont fait là, il y a eu des incantations et ils ont dit, cette bague, cette alliance, cet objet. Dernièrement, il y a un de mes fils spirituels ici qui est venu me voir. Il dit, papa, je ne comprends pas. Il y a des esprits qui sont revenus. J'ai été délivré, je ne comprends pas. Et les mêmes choses que j'avais hier sont en train de m'attaquer à nouveau. Et j'ai commencé à prier parce que j'avais déjà fait sa délivrance plusieurs fois. Donc, quand c'est comme ça, systématiquement, je sais qu'il y a un hôtel qui est en train de parler. C'est la raison pour laquelle le problème revient. Donc, je ne dois pas me limiter à chasser le démon pour dire, esprit, va-t'en. Mais je dois aller faire la localisation. Donc, pendant qu'elle est en train de m'expliquer, mon esprit est en train de prier. Saint-Esprit, d'où vient le problème? L'hôtel est où? Rikata, Rababros. Puis à un moment donné, paf, Dieu me donne un flash. Je vois un sac à main. Je dis à ma fille, il y a quelqu'un qui t'a offert un sac à main, non? Elle dit oui. Donc, c'est un pointeur qui voulait à tout prix l'attraper. Et lui a offert un sac à main, mais il a dédié ça à des esprits. Quand on va lui donner là, elle n'a qu'à devenir fan de moi. Elle n'a qu'à être là, elle n'a qu'à être après moi. Donc il a dédié le sac à main et lui a offert. Et elle n'aurait pas dû prendre. Vous avez ce genre de choses là. Il y a des fois même l'esprit vous dit de ne pas prendre. Il y a des cadeaux on vous donne. Vous-même vous sentez que vous ne devez pas prendre. Mais c'est quand vous désobéissez là que vous avez des problèmes. Ok? Et donc elle a pris le sac. C'est quoi un sac banal? Mais le sac n'est pas simple. Avant de lui donner, le sac a fait l'objet d'une dédicace. On a dit à Satan, un démon, le sac là est à toi. Et donc, le démon ne pouvait pas la posséder, mais il a commencé à l'attaquer, Donc, quand elle a pris le sac, elle a brûlé, on a prié, le démon est parti, c'était terminé. J'ai vu ça aussi avec des objets. Des personnes qui avaient des objets de haute valeur. Et quand c'est de haute valeur, c'est pas facile. Hein. Les objets dédiés, là, il faut les brûler. Généralement, il faut les brûler. Dis avec moi, brûler. Brûler. Alléluia. Il faut les brûler. Voilà, ce sont des hôtels, mais c'est mobile. C'est... Quelquefois, c'est des bijoux. Il y a des gens comme ça, ton premier gars, tellement il est malot, c'est-à-dire malingue, un trompeur. Il dit non, plus jamais tu seras avec quelqu'un. Et un jour, il vient, je te fiance, une bague, je te... Et puis après, vous-même, vous banalisez l'affaire, vous vous laissez.
Lui-même, il peut prendre sa route. Peut-être qu'il l'ignore. Mais l'esprit, là, est sur l'objet. Et à un moment donné, il s'attaque à toute relation que tu as. Oh, le gars même qui t'a donné ça, il est parti. Il a eu une autre vie. Il a pris son chemin. Mais le démon est sur ce joli cadeau, ce diamant. Donc, on a des cas comme ça où les bijoux étaient trop dangereux. Quand tu vois le bijou, Dieu révèle que c'est le bijou là. Il a brûlé. Il y a chose, c'est facile à brûler. Le sac à main de la soeur comme ça là. Ça ne coûtait pas cher. Là, on a brûlé ça vite. Amen. Mais il y a des objets dangereux. La valeur même seulement, c'est 10 millions. Comment on fait? Tu pries jusqu'à... Dieu te montre. Tu arrives à la maison, il te dit, tu vois. Ton seul collier. Or, diamant. Ton vrai trésor. Tu fais quoi? Quelqu'un qui dit brûle rapidement, là. André, c'est pas pour vous. Hein. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Alléluia. Bon, le plus souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le plus souvent, je prie, on fait fondre, on enlève, et puis on donne ça aux pauvres. On donne l'argent, de la vente où on vend, et puis on prie, on chasse le démon là-dessus au nom de Jésus. On redédie l'objet à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ou on en fait un cadeau à quelqu'un. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mais s'il vous plaît, n'allez pas donner ça à celui qui a prié pour vous. Sinon, vous allez tomber sur des escrocs. C'est qui a prié pour toi, puis tu as un objet dangereux. Et puis il dit, fais un sacrifice. Et puis c'est lui-même, ses yeux brillent pour le prendre. Il ne va pas bien prier. C'est ton argent qui l'intéressait. Ses yeux ont trop brillé. Si tu pries avec un homme, puis ses yeux brillent trop sur ton bijou. Non. Ces gens de personnes-là, ils voient le diable dans tout ce qui brille sur toi. Il vous dit, tu as une jolie montre. Ça a été dédié. Tu as une jolie chaussure. Dédié. Tu dis, frère, ton affaire n'est pas claire. Détourne-toi de tels gens de personnes. C'est un arnaqueur. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Le jeune homme riche, il avait de la richesse, mais ce n'était pas pour Dieu. Dieu lui dit, prends ton argent, va, donne ça aux pauvres. Jésus n'a pas dit, va vendre tous tes biens et puis viens me donner. Jésus dit, donne ça aux. Voilà, viens me donner là. C'est pas clair. Alléluia. Voilà. Donc quelqu'un te dit, viens me vendre ça aux pauvres, va vendre l'objet, viens me donner. Non. La vraie foi, c'est que tu donnes ça à d'autres personnes. Tu donnes ça aux pauvres. Tu donnes ça à ceux qui n'en ont pas. Voilà, je dis ça pour éviter qu'on vous piège. Parce qu'ils sont nombreux qui profitent de cette faiblesse-là pour pouvoir profiter des uns et des autres. Que Dieu nous garde. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à combattre? Amen. Donc ça, c'est hôtel numéro 2. Là, j'en ai parlé la dernière fois. Les hôtels numéro 2, ce n'est pas des dédicaces au diable, mais ce sont des jugements, des condamnations, ce qu'on appelle des malédictions. Pourquoi le diable s'en sert? Cette fois-ci, le diable va prendre l'acte de condamnation et il va l'amener à Dieu pour t'accuser. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit que voilà, le diable, il accuse nos frères jour et nuit devant l'Éternel. Jour et nuit, il accuse. Alors, c'est quoi les actes de condamnation? C'est une mauvaise attitude que quelqu'un a eue à une période donnée qui a amené un jugement de Dieu et Dieu a condamné. Et quelquefois, le jugement peut s'étaler sur plusieurs générations. Alors là, Satan va prendre ça comme étant un point. Et c'est ce qu'on avait lu la dernière fois en Jérémie 22. On lit ensemble encore, c'était ce qu'on avait lu dimanche dernier, on y va. Taire, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ok? Donc vous voyez ici, ça c'est Dieu qui parle. Dieu dit,
Tais, écoute. Inscrivez cet homme comme, il dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Donc, on a écrit sur la terre que lui-là, il sera privé d'enfant. Et on a défini aussi sa limite financière. Un homme dont les jours ne seront pas prospères. Alors, quand la maladie, ça c'est un jugement, et c'est écrit sur le sol. Un peu comme le jugement, Dieu dit, le sol est maudit sous toi, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. C'est une condamnation qui prend appui sur la terre. Ce qui fait que tant que la personne fonctionne sur cette terre, elle ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on a écrit. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est un acte écrit, mais c'est la terre. Donc, Satan vient, il prend l'acte de condamnation. Et il monte. Quand tu commences, si on a écrit, tu ne seras pas prospère, par exemple. Dès que tes affaires commencent à bouger, Satan vient prendre l'acte. Ils vont au ciel. Il a dit, Dieu le Père, Dieu. Dieu dit, il y a quoi encore? Il est inscrit sur la terre que cet homme-là ne doit pas prospérer. Lui et sa descendance ne doivent pas prospérer. Et comme c'est un jugement, une condamnation légale, tandis que l'autel numéro 1, c'est quelque chose d'illégal. C'est une consacration à des démons. L'autel numéro 2, c'est une condamnation due à un acte impur. J'ai rencontré ça plusieurs fois. Par exemple, dans l'évangélisation de Zenoula, les vidéos qu'on a montrées, c'était Zenoula. Une famille, un monsieur qui était, je crois, d'origine malienne ou burkinabé, dans cette ville, qui prospérait et qui était très bon de cœur, qui aidait la population. Mais vous savez, même quand quelqu'un est bon, il aide, il suscite beaucoup de jalousie. Et les autochtones étaient jaloux. Pourquoi un étranger vient au milieu de nous, il prospère, il a de l'argent, tout ça. Et un jour, ils l'ont tué. Et après qu'ils l'ont tué, il avait fait venir sa maman du Mali ou du Burkina, en tout cas de son village d'origine, il l'a fait venir pour qu'elle ait ses moments avec lui. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont fait un piège, ils ont tendu un piège, et en pleine ville, ils l'ont tué. Une mort violente avec arme. Ça s'est passé avant les indépendances. Et la maman est venue. Elle a vu ça, elle était tellement effondrée. Elle a libéré une parole sur la ville qui était une malédiction. Elle a dit que si son enfant a été méchant et qu'il a été injuste, que son sang la retombe sur lui. Mais si il est juste et qu'il n'a jamais, il a été bon et que c'est par jalousie qu'on l'a tué, elle a déclaré une malédiction sur les habitants de cette région. Donc, c'est comme quelque chose qu'on a écrit sur le sol. Et à cause de ça, les descendants des tueurs allaient avoir un texte écrit contre eux. Et généralement, ce texte-là est écrit par du sang ou avec le sang. Quand je vais parler de rétablir, d'établir l'autel de Dieu, vous allez voir qu'un autel se nourrit. Un autel se nourrit. Un autel se nourrit par le sang. Un autel se nourrit par les parfums, par la louange. Voilà. Donc, pour qu'un autel satanique soit fort, les satans, ils doivent faire des incantations, ils doivent louer le diable. Mais en nous, Jésus, le sang, là, c'est le sang de Christ. Il a coulé une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de le faire couler tous les jours. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le sang le plus puissant qui soit. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui a sacrifié. C'est trop dangereux. Alléluia. Donc, il n'y a pas match entre eux et nous. N'ayez pas peur. Mais quand je vais traiter l'établissement du trône, alléluia, on va voir. N'ayez pas peur. Voilà, ils vont prendre quoi? Des petits sangs des oiseaux, des poulets. Là. On n'a pas la même catégorie. Nous, c'est le sang de Christ. Dieu. Il n'y a aucun sang qui a plus de valeur que le sang de Jésus. C'est un sang tellement puissant qu'il a racheté toute la terre. Alléluia. Amen. Amen. Donc voilà ce genre de malédiction. Aujourd'hui, la ville de Zenoula, par la grâce de Dieu, a commencé à être restaurée. Mais lorsqu'on est parti en croisade là-bas et que Dieu a ouvert mes yeux, donc localisation, je dis, Seigneur, d'où vient la pauvreté? Parce que tous les investissements de l'État étaient détruits. J'ai dit, mais Seigneur, cet esprit, c'est quoi? Et pendant que je posais la question, avant de partir, il y a une dame de l'église qui est de Zenoula, elle m'a approché. Elle dit, papa, je vais vous expliquer l'histoire. Et quand elle m'a dit, Dieu me dit, ce qu'elle est en train de te dire, je viens de te révéler l'autel qui parle contre cette vie. Il faut que tu ailles faire ce que je vais faire, en fait, ce que Jésus-Christ a fait. Vous vous souvenez, donc, le dimanche dernier, on a lu cela. On va afficher le texte. Regardez comment ça s'est passé. Les gens amènent vers Jésus une femme
qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. D'accord, donnez-moi le texte rapidement. Une femme qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. Je crois qu'il faut remonter au verset d'avant. Il dit à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Bon, là où je vois que les gens sont méchants, quand on dit flagrant délit, ça veut dire qu'il y avait le monsieur aussi, non? Comment ça se fait que c'est seul? Non, expliquez-moi ce mystère. On dit flagrant délit. Ça veut dire que les deux ont attrapé. Oh, vous attrapez, vous êtes dans l'adultère. Maintenant, au moment où on veut tuer. Bon, c'est la femme qui est mariée, mais lui, il est parti séduire la femme. On doit les lapider aussi. Bon, à moins que ce soit elle qui l'ait séduit, le jeune va dire, j'étais tranquille, la grand-mère, la maman est venue me... Bref, c'est qu'elle, si on veut la tuer. Donc, lorsqu'elle arrive, regardez l'attitude de la dame. Regardez ce qui va se passer. Quand elle arrive, il dit à Jésus, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. On avance. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de tapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc la phrase qu'elles ont dite là, au lieu que Jésus commence à rentrer dans les débats, il ne les a même pas écoutés, il s'est abaissé directement et il a commencé à écrire quelque chose avec son doigt. L'écriture de Jésus par terre est liée à ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas un acte qu'il a posé au hasard. Si la Bible met un zoom là-dessus, c'est que c'est important pour nous de comprendre qu'il y a des choses qu'on traite avec le sol et qu'on traite avec la terre. Et Jésus s'est abaissé pour écrire avec son doigt sur la terre. Là, comme donnez le texte en parallèle. Gardez le texte, ne l'enlevez pas. Amen. S'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. On avance. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit. Le texte avait dit que Jésus n'était pas prêt de se relever. Mais ils étaient là. Tu dis quoi? Jésus, tu dis quoi? La dame, là, on l'a attrapé, on l'a tué, on fait quoi? Jésus ne les écoutait pas, il était là. Il écrivait quoi? On ne sait pas. Point la ligne. On dit, on fait quoi? La Bible dit, comme il continua. Donc, c'est parce qu'il était harcelé, quoi. La Bible dit, il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la tête. Donc, il s'est débarrassé d'eux avec une colle. Parmi vous, qui n'a jamais péché, premier lance, caillou, premier lance. Ça veut dire que vous, là, je n'ai pas affaire à vous. Vous m'avez posé un problème que je dois traiter avec le sol. Et il s'est abaissé encore. Et il a continué à écrire. Il s'est abaissé, il a continué d'écrire. Ce qu'il voulait, c'était écrire. Mais Jésus était parti écrire quoi? Qu'est-ce que cette femme-là, qu'est-ce que ça a à voir? Quel est le lien? Et Jésus s'est remis à écrire. Amen. Et pendant qu'il écrivait, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Avançons. Quand il entendit cela, accusé par leur conscience, il se retirait un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé. Donc Jésus, c'est comme s'il ne les avait pas vu partir. Il ne s'est pas occupé d'eux. Il leur a posé une colle. Il est en train de dire, les gars, laisse-moi continuer mon écriture. Celui qui n'a jamais péché, lance caillou. Ok. Maintenant, le Saint-Esprit a commencé à les gérer. Toi là, toi tu n'as jamais volé, tu n'as jamais menti. Mon gars, garde ton caillou, il faut partir à la maison. Donc chacun a déposé son caillou, chacun est parti. Et Jésus les a laissés partir un à un. Et il continuait d'écrire. Et à un moment donné, tous sont partis. C'est là qu'il s'est relevé. Il venait de finir d'écrire. Et il dit, s'étant relevé et ne voyant plus, que la femme. Donc il ne le voyait même, il n'a même pas vu les hommes partir. Quand il s'est relevé, il a dit, ah, où ils sont? Ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et puis il lui répondit, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Mes amis, alléluia. Je crois qu'ils étaient écrits quelque chose sur la condamnation de cette femme. Il y avait une parole dans l'air qui la condamnait soit à être adultère, soit à mourir par violence. Il y a des écritures qui parlent contre beaucoup d'hommes sur la terre. Des choses que tu ignores, qui datent, je ne sais pas, il y a des gens comme ça, ils ont tellement, il y a des femmes, elles ont avorté jusqu'à le sang des bébés là, est parti écrit que tu n'auras pas d'enfant. Et plus tard, elle, sa descendance, les enfants qui sont sur la terre, ils ont tous des difficultés à enfanter. C'est...
Il y a des gens, on a écrit sur la terre qu'il doit mourir. Quand vous voyez, par exemple, vous avez entendu l'histoire de famille Kennedy, c'est comme si c'est écrit quelque part qu'aucun d'entre eux ne doit devenir chef d'État. Donc, ils peuvent prospérer à tout, mais lorsqu'ils veulent. Vous voyez, Jérémie 22, Jérémie qu'on a lu, il dit ceci, aucun de ta prospérité ne va prendre la place de David. C'est-à-dire que, non seulement ils allaient être la pauvreté, ils allaient être stériles, mais c'était écrit qu'ils ne peuvent pas régner. Il y a des gens comme ça. Quand tu commences même à prendre un poste de directeur, ce qui est écrit commence à parler, la terre commence à rappeler. Et les démons prennent ça, ils vont voir Dieu pour dire, lui, il ne peut pas. Son grand-père a posé des actes qui l'ont condamné. Son grand-père a posé des actes. J'ai souvent été confronté à ce genre d'autel. Mais je viens te parler de la part de Dieu. Parce qu'ils sont renversés dans le nom de Jésus. Et ils sont renversés par quoi? Par le sang de Jésus. Colossiens chapitre 2. Amen. Colossiens chapitre 2. Donnez-moi Colossiens 2, 3. La Bible dit quoi? 2. C'est ça, non? On y va, ok. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'exécution de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes vos offenses. Amen. Avançons. Verset 14. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Écoutez, il ne faut pas être précis. Ça veut dire qu'il y a des actes comme des actes notariés où on avait écrit. La Bible décrit qu'il y a des actes écrits. Il a dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. C'est-à-dire, il y a un acte et il y a des ordonnances à exécuter. Une ordonnance, c'est quelque chose qu'on doit exécuter. C'est écrit que, voilà comment vous devez finir, voilà comment vous devez mourir, voilà ce qui doit vous arriver, voilà ce que vous n'aurez pas. La Bible dit que Jésus-Christ a effacé, allons au verset 14, verset 14, d'accord, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Subsistait, ça veut dire, ça restait en place. Qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Jésus a détruit la condamnation. Jésus, tout ce que Satan avait écrit contre toi a été brisé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Dimanche prochain, je vais te parler de l'autel numéro 3. Alléluia. Mais simplement avec ces deux-là, je t'ai montré déjà les grandes lignes de comment on les attaque. Un, je dois chercher à remplacer. Deux, recevoir l'onction prophétique. Trois, localiser. Donc Dieu va me dire, s'il y a un problème récurrent, est-ce qu'il n'est pas écrit quelque part contre moi? Il va dire, il est écrit que toi, tu ne dois pas être heureuse en couple. Il est écrit que tu ne dois pas te marier. Il est écrit que, alors, comme le diable prend ça pour t'accuser, tu vas faire ce qu'on appelle le cri. Je finis avec ça. La Bible dit, je vous ai dit, diable, crier contre l'autel. Crier contre l'autel. Oh, Dieu va délivrer beaucoup de gens ici. Dieu délivre ta vie. 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 Amen. Tu dois un autel, on crie. On crie sur l'autel. Ça veut dire quoi crier? Crier, ça veut dire prendre des paroles d'autorité. Crier, ça veut dire parler avec assurance. Et il y a une prière que je fais là-bas, que vous voyez en Ézéchiel chapitre 3, verset 8. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, je rendrai ton front dur. Il faut savoir que chaque fois que vous vous battez contre un autel, vous allez renverser un autel, il y a des représailles. Les démons vous attaquent. Mais, il ne peut pas vous vaincre. Quand vous vous battez contre un autel, votre front doit, ça dit, faut être, un autel, on ne le comprend pas en étant zoin-zoin. C'est vrai, là tu viens. Autel, tu es renversé. Et puis dès que la nuit, trois démons apparaissent. Oh, pasteur, au secours, au secours. Non, quand Gédéon a renversé, les gens du village sont venus dire, il dit, il faut qu'on le tue. Il y a des retours. Quand vous faites ça, votre front doit être dur. C'est-à-dire que quand tu te bats contre un autel, faut te sentir dangereux. Faut être dangereux même. C'est-à-dire que tu dois froncer tes sourcils mais tenir avec une assurance de pas pitié quoi. Vous savez, quand vous battez contre l'autel, c'est une affaire de vie ou de mort. Quelqu'un va mourir dans cette affaire. Mais ça ne sera pas toi. Donc ça ne peut être que lui. Alléluia. Un autel, on l'affronte. Quand Élie est parti se battre contre les prophètes de Baal, il n'y avait pas de compromis. Quand vous rentrez dans la bataille de l'autel, il n'y a pas de compromission. Tu ne peux pas être peureux. Tu ne peux pas t'autoriser à avoir peur. Tu te joues les faiblards
ils vont t'attaquer. Tu les regardes droit. C'est-à-dire qu'ils voient tes yeux. Ils sentent que tu es venu pour terminer ce combat. Ça fait des années qu'ils te poursuivent. Aujourd'hui, je veux que tu sois fâché. Il faut que tu finisses cette affaire. Je sais que tu n'es pas fatigué. Je dis, vous deuxième culture, vous êtes doux. Hein? Donnez amen des révoltés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et l'autel, on crie contre lui. Tu vas te tenir debout. Amen. Ça dit que tu dis autel. Autel. Vous savez, quand même tu es bien en colère, la sainte colère, il faut que tu sois animé d'une sainte colère. Quand tu es bien, cette sainte colère-là, en fait, même quelquefois même, tellement tu es serein que tu vas finir à eux. Tu fais un petit sourire narquois. Là. Et tu vas... Toutes ces années-là, c'est toi qui m'as blagué. Donc moi, je travaille, toi tu viens, tu prends quoi. Donc toi, tu es content. Ce que tu as cherché, tu vas trouver. C'est-à-dire qu'il faut que tous les démons qui vont essayer de s'opposer à toi, là, quand ils voient ton visage, eux-mêmes, ils sentent que la journée a changé. C'est-à-dire que les choses ont changé. Que la personne qui priait hier, ce n'est pas la même personne. Avant, elle priait, elle n'avait pas d'assurance dans le Christ. Maintenant, elle sait que Jésus a effacé les condamnations. Elle sait que Jésus est mort pour elle. Elle sait. Et puis, tu crois ça. Jésus a déjà payé le prix. Ils n'ont aucun droit. Même si ton papa a adoré 44 ou 66 démons, on s'en fout. Mais ça, ils vont revenir t'attaquer. Mais tu dois les regarder en face. Tu dis, vous dites quoi? Que ton papa, là, il faut savoir que c'était le plus gros sorcier du village. Et puis, ça fait quoi? Dans nous tous ici, là, qui n'est pas un parent sorcier? Nos parents étaient chrétiens. On a tous des parents qui ont adoré des idoles. Donc, est-ce qu'on va continuer à payer ça jusqu'à présent? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Arrêtez de vous laisser manipuler. Les gens, on localise, mais on ne localise pas pour avoir peur. Il y en a même quand ils vont localiser, c'est pour être peureux. On dit, je vais t'expliquer, il y a un mystère dans ta famille. Mais je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Les réclamations existent. Mais les réclamations, tu viens. Quand on dit de crier contre l'autel, ça dit ta voix doit dépasser sa voix. Tu le fais taire. Tu le fais taire. Tu ne viens pas de manière intimidée. Ah bon? Donc mon grand-père a fait ça. Hé, grand-père. Dieu, pourquoi tu m'as fait naître dans telle famille? Tu ne changes pas ta famille. Tu es né là-bas. Tu assumes et tu vas nettoyer ta maison. Parce que Jésus t'a trop équipé pour que tu te joues les peureux, les gens timides. Ah non. C'est pas normal cette affaire. Fâche-toi dans le nom de Jésus. Fâche-toi dans le nom de Jésus. Tout a déjà été accompli. Alléluia. Attends. On fait les choses par étapes. Amen. Est-ce que tu as l'huile? Alléluia. On va profiter. Parce que là, tu es trop nerveux déjà. Mais il ne faut pas attaquer la voiture qui vient sans avoir porté ton habit de policier. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Est-ce que tu es prêt? Tu as l'huile. Voisin, passe un peu d'huile. Si tu n'as pas l'huile, ce n'est pas grave. Dis simplement, Saint-Esprit. Alors, commence à prier pour recevoir. Dis, Saint-Esprit, papa, habille-moi de mon habit. Que l'onction vienne sur moi. Que l'onction vienne sur moi. Je prophétise, je déclare que l'esprit de la prophétie est sur toi. Le Saint-Esprit d'abord. Pas renversé. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu vienne sur toi. Saint-Esprit, viens sur ton peuple. Mes amis, c'est Jésus qui a dit, l'esprit du Seigneur sera répandu sur toute chair. Toi aussi, tu as une chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Toi aussi, tu peux prophétiser. Donc, ne te dis pas, convertis-toi aujourd'hui, mais reçois l'onction prophétique. Ce n'est ni par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu parleras. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es revêtu du Saint-Esprit. Seigneur, revêt ta fille, revêt ton fils. Revêt-toi, revêt. Que Dieu te revête. Que Dieu t'habille. Tu as une onction prophétique. Maintenant. Seigneur, où est tes serviteurs et tes servantes? Où est tes serviteurs et tes servantes? Où est? Vous recevez l'onction prophétique. Vous recevez l'onction prophétique. Tu reçois. Ta parole n'est plus ta parole. Maintenant, tu as l'habit royal. Maintenant, tu as l'habit prophétique. Quand tu vas dire arrête, ils vont s'arrêter. Quand tu vas parler, ça va avoir du tonus. Reçois ton revêtement prophétique. Reçois ton habit prophétique. Reçois ton habit prophétique. Reçois ton habit prophétique. Reçois ton habit prophétique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième chose, l'onction de la prophétie est sur toi. L'esprit de la prophétie est sur toi. Tu vas prendre le peu d'huile qui te reste sur la main. Je dis que dimanche prochain, on va continuer la prière parce qu'on doit bâtir l'autel. Alléluia. Tu mets juste sur le haut des yeux et puis sur les oreilles. Je parle de localisation. Saint-Esprit, donne à tes serviteurs de voir où est l'autel. Je déclare dans le nom de Jésus que tu n'es pas aveugle. Localise.
Le Saint-Esprit t'amène à localiser d'où vient l'envoûtement, d'où vient la réclamation, d'où vient l'attaque. L'Esprit du Seigneur t'oriente vers l'origine du problème. Au nom de Jésus, papa, nous ne sommes pas aveugles. Je prie afin que tes yeux spirituels s'ouvrent, afin de voir ce qui a été caché, afin de voir ce qui a été caché, ce que toi-même tu as fait ou ce que d'autres personnes ont fait, ce qui a été caché. Que Dieu, dans sa grâce et dans ta miséricorde, ouvre les yeux de ton cœur, ouvre tes yeux spirituels, afin de localiser l'origine de la réclamation, l'origine de l'autel. Rakata rababesa, rokata ramabeta, alakata rianda brada sorobaralaka, rababrada sorobaralake. Localisation divine. Esprit du Seigneur. Oui, l'Esprit du Seigneur t'amène à voir. Est-ce un envoûtement? Un objet qui a été envoûté? Une dédicace particulière? Dieu envoie ton esprit et tu localises la source du problème. Localisation au nom de Jésus. 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 Maintenant. Mets la main sur le front. C'est maintenant que tu vas commencer à crier. Mets la main, là c'était la localisation. Que ton esprit saint voit. Je t'assure, même si tu n'as pas vu, tu vas commencer à prier en langue, tu sauras. Tu vas savoir. L'Esprit t'amène de manière précise à savoir de quoi il s'agit. Tu dois renverser cet autel satanique. Tu dois avancer. Tu dois passer le plafond de verre que tu n'arrivais pas à placer. Tu dois arrêter ce qui détruit ta vie de mariage. Tu dois arrêter ce qui détruit ta vie de finances. Tu localises. Maintenant, Dieu rend ton front dur. Dieu rend ton front dur. Pendant que tu as la main sur le front, toute peur te quitte. Toute crainte te quitte. Tu es rempli d'une assurance divine. La force de Dieu en toi. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Tu es à la violence selon le Saint-Esprit. Tu es équipé. Tu es équipé. Tu es équipé. Divinement équipé. Tu es divinement équipé. Tu es divinement équipé. Tu vas finir avec ces démons aujourd'hui. Maintenant. Jésus a dit, va par ma parole. Écris contre l'autel. Parle contre l'autel, fils de Dieu. Maintenant, élève la voix. Bas les mains. Déclare. L'autel s'éteint. Rokatarababrada sorobaralake. Rakatarianda brada sorobaralakatarababrada sorobaralaba. Jekatarita brada sorobaralake rebarala zota rababres. Rakatarianda brada sorobaralabe. Piketere mamomama. Chakatarababra. Au nom de Jésus. 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 Reba raba kata raba brada soro bara la ke. Ere da brada soro bara la kata raba brada soro bara la be. Raide sere bara la koto rodo rodo soro bara la kata la bra. Reba brada soro bara la kara bara la bra la bra. Leba kata rinda brada soro bara la be. Raida soro bara la clarianda brada soro bara la bra. Rede clarianda brada soro bara la clarianda bra. Roda brada soro bara la be. Raba brada soro bara la ke. Roba brada soro bara la kataraba brada soro bara la braba la be. La kadalama. Au nom de Jésus. On va déclarer ensemble. Dis avec moi, hôtel. 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 Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens contre toi. Revêtu de la puissance de Dieu. Hôtel. Tu te tais. Je te ferme la bouche maintenant. Au nom de Jésus. Je te regarde droit. Tu es renversé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as reçu déjà le nom de l'hôtel, tu le nommes. Tu dis hôtel sur ton village, sur ta famille. Tu le nommes et tu le renverses. Frappe l'hôtel. Frappe-le. Frappe. Sans pitié, sans compromis, sans confusion. Au nom de Jésus, renverse, 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 renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il en est ainsi, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Brenda Akatala Maburos, Reda Brada Sorobaralaka. Alléluia. Amen. Et dis avec moi, au nom de Jésus, que l'autel à la gloire de Dieu soit bâti.
au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit élevé. Dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays, sur le territoire sur lequel tu m'as établi, que ton nom soit élevé. Qu'un autel à la gloire de Dieu soit bâti. Je bâtis par l'action du Saint-Esprit l'autel de la victoire à la gloire de Jésus. L'autel de prospérité à la gloire de Jésus. Autel de paix à la gloire de Christ. Je bâtis l'autel à la gloire de mon Dieu. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a prié ainsi, mais on va continuer à prier. Ce qui va se passer dans la semaine, c'est que plusieurs, déjà même, ont déjà reçu la localisation. Ça va s'amplifier cette semaine. Amen. Le mercredi, au rendez-vous des champions, vous venez avec les huiles, on va continuer de prier. Le dimanche prochain, là, chacun, venez vraiment avec l'huile dont on a parlé. Alléluia. L'huile prophétique, parce que c'est la même onction qui va nous aider maintenant à bâtir l'autel de Dieu. Et je vais traiter le troisième type d'autel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on a été béni par la parole? Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur en lui apportant nos offrandes, pour lui dire merci. Nos offrandes de reconnaissance. Disons merci pour la parole et pour le temps de prière. Alléluia. Nous rendons grâce à Jésus. Ensemble, on va apporter au Seigneur. Et ceux qui ont prévu leur offrande pour la construction, l'offrande est la bienvenue maintenant. Ensemble, apportons au Seigneur. Amen. Et pendant qu'on apporte nos offrandes, on va suivre les good news. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. En tout cas, je suis très content de te voir. Alléluia. À cause de toi, j'aime dimanche. Bon, à cause de Jésus, puis à cause de toi. Qu'est-ce que je vois des visages? Même si on n'a pas le temps de causer, mais le fait de savoir, je suis content. Amen. Et je prie que Dieu bénisse encore ta vie. Et je crois que la parole qu'on va recevoir va te faire passer à une autre dimension. Alléluia. Il faut savoir que dans l'église de Dieu, il y a une dimension dans laquelle on peut entrer où il n'y a plus de pauvreté. La Bible dit que la première église des apôtres était arrivée à une dimension où les Écritures disent il n'y avait plus d'indigents. Il n'y avait plus d'indigents. Amen. Alors pourquoi je parle de cela? Parce que nous allons entrer dans notre série du mois de mars, qui est la suite de la série du mois précédent. Alors, quelque part, si tu regardes, tu vas même penser que c'est la même série. Amen. Mais c'est parce que toutes les bénédictions sont liées. En règle générale, nous sommes dans notre thème annuel qui est béni pour conquérir. Amen. Nous sommes bénis pour conquérir. Conquérir, c'est-à-dire répandre l'amour de Dieu, répandre la parole de Dieu là où la parole de Dieu n'a pas encore été proclamée. C'est installer le règne de Dieu partout. C'est ça, la conquête. Cette année 2022, nous voulons voir Jésus dans plus de villes, dans plus de villages. Nous voulons voir des églises ouvertes. Nous voulons que les chrétiens personnellement se déploient dans de nouveaux endroits. Alléluia. Ma prière est que chacun d'entre vous puisse au moins faire un disciple de Jésus en 2022. Amen. Gloire à Dieu. Que chacun puisse, qu'un boss puisse faire au moins deux disciples de Jésus avant la fin de l'année. Au moins. Il faut atteindre ça. Il faut conquérir une âme qui n'était pas conquise. Donne-toi ça comme challenge. La chose qui donne, où la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel, c'est quand un pécheur se répand. Donc fais en sorte que le ciel soit content. Qu'il y ait de la fête au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, donc cette année, c'est le béni pour conquérir. Et les bénédictions, nous parcourons toutes les 12 bénédictions, comme l'année dernière. Mais on va donner le thème pour qu'on comprenne que nous sommes en train de prendre des territoires. Et le troisième mois, c'était la bénédiction de la provision divine, c'est-à-dire la façon dont Dieu pourvoit à tes besoins. Et on va développer cela, et cela est développé dans cet ouvrage. Donc, j'aurai l'occasion, si le Seigneur le permet, de lire même une des pages de cet ouvrage. Amen. Donc, c'est Dieu qui pourvoit. La bénédiction numéro 3, comme on l'appelle, elle est marquée en Deutéronome chapitre 28, verset 5, où Dieu dit, « Ta corbeille et ta huche seront bénies. » Dis avec moi, « Ma corbeille et ma huche sont bénies. » Au nom de Jésus. Alors, la corbeille et la huche, ce sont des ustensiles de maison qui permettent de recevoir de la nourriture, du pain,
des fruits, des légumes, etc. Donc, quand Dieu dit « Je vais bénir ta corbeille et ta huche », ça veut dire « Va faire en sorte que tu ne manques de rien ». Donc, c'est la même bénédiction qu'on peut dire en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Alléluia. C'est la même bénédiction qu'on peut stipuler en disant « Et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. » Que Dieu pourvoie à tes besoins. Que Dieu pourvoie à tes besoins. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, le thème qu'on va aborder donc durant tout le long du mois de mars, c'est, je l'ai appelé ainsi, recevoir les ressources divines pour réaliser sa destinée. Recevoir les ressources de Dieu pour réaliser sa destinée. Amen. Recevoir les ressources. Avec moi, je reçois les ressources. Alléluia. Quand Dieu te donne une destinée, il prévoit aussi que tu aies les ressources. Et on va voir les ressources là, c'est quoi? C'est pas seulement l'argent, mais il y a des ressources matérielles, émotionnelles, physiques. Les ressources là, ce sont les personnes qui vont accompagner ta destinée. Alléluia. Que tu aies les ressources de Dieu au nom de Jésus. Que tu aies les ressources. Quand les ressources de Dieu arrivent, tu ne peux pas être dans le manque à tous les niveaux. Il y a des personnes qui ne sont pas dans le manque matériel, mais qui sont dans le manque émotionnel. Tout cela, nous le verrons tout de suite. Que Dieu pourvoie à tes besoins. Amen. Donc, durant ce mois, c'est ce dont je vais parler. Recevoir les ressources pour réaliser sa destinée. Et ici, nous, notre destinée, c'est conquérir pour les nations. Donc, comment on reçoit l'argent, tout ce dont on a besoin? Dieu pourvoira. Amen. Ce mois de mars, quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Ce mois de mars, tu sors de toute forme de dette au nom de Jésus. Alléluia. Mais mon thème d'aujourd'hui, mon sujet d'aujourd'hui, dans ce grand thème-là, amen, mon sujet d'aujourd'hui, c'est renverser les trois autels. J'avais dit de pauvreté, mais là, comment on va changer? Renverser les trois autels d'appauvrissement. Renverser les trois autels d'appauvrissement. Voilà. Bon, au culte précédent, j'avais dit de pauvreté, mais ce sont des autels d'appauvrissement. Des autels d'appauvrissement. On va parler d'un sujet qui va renverser les autels. On renverse le Dieu avec moi, je renverse les autels sataniques au nom de Jésus. Les trois autels d'appauvrissement sont des autels sataniques et nous les renversons au nom de Jésus. Alors, pour comprendre la parole, nous allons directement aller dans le texte du jour qui est Juges chapitre 6, où il est question de l'homme de Dieu appelé Gédéon. Amen. J'attends pas bientôt Amen ce matin. Je fais la lecture, donc tu peux lire avec moi en Juges chapitre 6 à partir du verset 1. Et je vais lire, je m'arrêterai à des portions pour faire quelques commentaires. Première phase de lecture. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, parenthèse, notez bien, quand Israël avait semé. Amen. Notez bien que c'est quand. Ce n'est pas à tout moment ils étaient là, mais c'est lorsqu'ils avaient semé. Alors, je reprends. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Alléluia. Notez bien que le verset 1 dit que Dieu, parce qu'ils avaient péché, Dieu avait livré Israël à un peuple qu'on appelle Madian. Et le verset que nous venons de lire dit que quand Madian venait contre eux, Madian ne venait pas seul. Madian venait avec un autre peuple du nom de Amalek. Et ceux qui suivent souvent mes enseignements, Amalek, c'est le symbole de la dépression émotionnelle, morale. Donc, quand Madian venait les frapper, Madian ne venait pas simplement toucher leur richesse. Madian était systématiquement accompagné d'un peuple qui signifie Amalek. Le nom Amalek signifie dépression. Ça signifie donc angoisse, peur. Le nom Amalek est relatif à tout ce qui peut être émotionnel. Donc, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables.
et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Donc il y avait un peuple appelé Madian qui est un symbole de l'ennemi, du diable, et qui venait chaque fois qu'ils avaient semé, chaque fois qu'ils allaient récolter. Et ils venaient dans le but de les faire souffrir, enlever toutes les richesses. On dit, ils venaient avec des chameaux, des chevaux, pour que chaque animal mange. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, il dit, ils venaient comme des sauterelles. Et ils étaient là dans le but de ravager. Leur objectif, c'était que rien ne reste au peuple de Dieu. Et ils ravageaient tout. Et ils arrivaient de manière cyclique à certaines périodes. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui encore, Madian existe dans la vie de beaucoup de personnes. C'est ce genre de problème, de difficulté que l'ennemi envoie dans ta vie qui passe le temps à te faire régresser. Chaque fois que tu commences à aller de l'avant, comme un vent de problème, de difficulté, un vent madianite accompagné d'une onction diabolique amalécite qui vient t'amener la dépression. Hier, au samedi des miracles, j'ai traité ce message en parlant de comment le diable venait voler les grossesses, venait voler la santé. Il y a des braquages spirituels. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, on va traiter avec les braquages. On va traiter avec les braquages spirituels. Satan vole beaucoup de choses. La Bible dit que Satan est un voleur. Satan est un voleur. Et plusieurs fois, je vous ai fait la remarque que le diable est un esprit. Satan ne peut pas voler une bouteille comme ça. Tu ne vas pas voir une bouteille comme ça se soulever, aller dans le vide. Quand on dit que Satan est un voleur, il est un esprit. Il vole les choses en esprit. Il vole l'intelligence des gens. Il vole la joie de certaines personnes. Il vole les finances d'autres personnes. Satan vole. C'est un braqueur. Jean 10:10 présente le diable. Le diable est un voleur. Et c'est exactement ce que faisait Madian. Madian, lorsqu'ils arrivaient, ils venaient voler. Et ils se faisaient accompagner de Amalek pour voler la joie, pour voler la paix. Ils touchaient les finances et ils enlevaient toutes choses. Voler le bonheur, voler la vie. Mais dans le nom de Jésus, je viens de la part de Dieu pour dénoncer les œuvres de Madian et pour briser son pouvoir au nom de Jésus. Il y a une grâce particulière qui est sur moi en ce moment. Tu dois le sentir, quelque chose va se passer dans ta vie. Ça c'est certain. Alléluia. Et le verset 6 dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à Dieu. Alors, lorsqu'ils ont crié à Dieu, maintenant, on va aller au verset 11. Il a dit au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Bon, cette partie, on va lire ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Amen. On s'arrête là pour le moment. Alléluia. Donc, quand Israël a crié à Dieu, la réponse de Dieu, c'était de susciter quelqu'un du nom de Gédéon. Donc, Dieu vient vers lui et Dieu l'appelle du nom de vaillant héros. Et là, ça me ramène à mon message de la dernière fois. L'appel de Dieu. Alléluia. Que Dieu t'appelle avec ton vrai nom, de ton vrai nom spirituel, au nom de Jésus. Dieu l'appelle vaillant héros. Et dimanche dernier, je t'expliquais que dans la vie d'un homme, il y a ce qu'on appelle l'appel. En fait, Dieu te connaît avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que tu sois formé, je te connaissais, je t'avais établi. Chacun d'entre vous, Dieu vous a déjà établi quelque part. Vous transportez un nom spirituel. Parce que l'homme n'est pas son corps. C'est-à-dire que ton existence n'a pas commencé le jour où tu as été formé dans le ventre de tes parents. Ton existence précède ta formation dans le ventre de tes parents. Tu n'as pas commencé à exister. Normalement, ta vraie date d'anniversaire, ce n'est pas la date que tu as là. Alléluia. Dieu te connaissait avant que tu sois formé. Et dans l'invisible, dans ton esprit, il t'avait donné un nom.
Ton nom transporte ta mission. Ton nom transporte les combats que tu vas gagner. Ton nom transporte ta vie. Et ici, Gédéon, Dieu vient et l'appelle vaillant héros. Alléluia. Que tu retrouves ton vrai nom au nom de Jésus. Amen. Tu es un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Ce que je veux te dire, c'est que l'enveloppe corporelle que tu as n'est pas toi. Ce n'est qu'une maison dans laquelle habite ton esprit. Le corps, ce n'est pas toi. Ton âme même, ce n'est pas toi. Ton esprit est ce qui est toi, qui habite dans ce corps. Est-ce qu'on est ensemble? Et souvent, je vous dis, une des preuves, c'est que ce ne sont pas les yeux qui voient. C'est l'esprit qui est dans le corps qui voit à travers les yeux. Il suffit que ton esprit ne soit pas dans la salle pour que tes yeux ne servent à rien, pour que tes oreilles ne servent à rien. Si ton esprit est ailleurs, tu vois, souvent on oblige de venir te toucher pour dire, hé. Et tu dis, excuse-moi mon gars. Tu dis, j'étais ailleurs. Tu étais où? Qui était ailleurs? Qui est parti ailleurs? Ton corps est ici. Qui va ailleurs? Oui, tu n'es pas un corps. Tu es un esprit. Dieu va chercher un esprit. Tu es un esprit. Quand on t'a vu sur la terre, on t'a connu à travers de ton corps. Mais l'esprit que tu es existait avant la forme du corps. Il a toujours existé. Il a existé avant. Et c'est à cet esprit-là que Dieu a donné un nom. À cet esprit, Dieu a donné une mission. Lorsque tes parents sont tombés enceintes de toi, Dieu a envoyé cette sagesse, cette connaissance, cette mission-là dans le corps qui était en train de se former. Et tu es né. Et toi, tu as pensé que ta vie commençait. C'est la raison pour laquelle je te dis, tu vas connaître des combats dans ton corps. Mais il faut savoir que tu existes avant les combats. Les combats que tu vas connaître dans ton existence, quand tu vas apparaître sur la terre, ne doivent pas déterminer ta vie parce que tu es supérieur à eux. Alléluia. Est-ce que tu sais que même lorsque quelqu'un te fait du mal, en fait, il n'a pas fait du mal. C'est un peu comme si le corps, là, c'est un peu comme si on est dans une voiture. Si quelqu'un gratte ta voiture, est-ce qu'il t'a gratté? Donc, si quelqu'un fait du mal à ton corps, il ne t'a pas touché. Parce que tu n'es pas le corps. Alléluia. Tu descends de la voiture et tu dis, tu as gratté ma voiture. Tu ne dis pas, tu m'as gratté. Quand tu es conscient que tu es un esprit, tu comprends que tout ce qui arrive à ton corps n'était pas arrivé encore. Tout va dépendre de ta réaction. Maintenant, il y a des gens qui aiment tellement leur voiture que si tu as gratté leur voiture, tu m'as gratté. Toute la vie, ils se sentent grattés parce que tu as gratté leur voiture. Détache-toi de ton amour. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Ce corps est une enveloppe que tu adoptes, qui a une mission sur la terre et quand tu finis, tu repars. Et Dieu te demande compte pour ce qu'il avait mis comme véritable mission dans ton esprit. Et il y a ce qu'on appelle l'appel. L'appel, c'est le moment où Dieu vient te donner ton vrai nom, ta vraie mission, le vrai sens de ta vie. Tout le monde doit recevoir son appel. Et c'est le processus qu'on rencontre en Romains chapitre 8. Il dit ceci en Romains chapitre 8, verset 28. Ce qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire avant qu'ils naissent, il les a prédestinés. On a étudié la prédestination. Amen. Verset 30 maintenant. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Mon message pour sortir de la pauvreté, pour être pourvu, c'est la justification. Vous allez comprendre. Dimanche dernier, pour manifester le fruit de ta vie, les grandes œuvres dont on a parlé les dimanches précédents, il faut ton appel. Il faut l'appel. L'appel te dit qui tu es. L'appel te dit ce que tu dois faire. L'appel vient réveiller en toi le vrai sens de ta vie. Chacun d'entre vous a un nom spécial. C'est ce nom-là que Dieu t'appelle. Il vient, il regarde Gédéon. Ses parents l'ont appelé Gédéon. Mais Dieu l'avait appelé avant qu'il ne soit formé. Gédéon, Dieu l'avait appelé vaillant héros. Toi aussi, tu as un nom. Alléluia. Si tu es amené à restaurer des vies, peut-être que Dieu te regarde et puis t'appelle restaurateur. Moi, quelquefois, j'ai l'impression que j'ai un nom comme ça. Ou un nom qui ressemble à ça. C'est-à-dire, quand tu as un nom comme ça, ta vie restaure la vie des autres. Il y a des gens qui ont un nom qui s'appelle, qui nom, sur la terre, on les appelle à moins. Mais au ciel, le ciel les appelle victoire. C'est-à-dire que cette personne-là transporte la victoire. Alléluia. Quand Dieu va te visiter, il va dire victoire. Tu dis c'est qui? Il dit c'est toi. C'est parce que Dieu t'a choisi pour gagner des batailles. Et quand tu vas rencontrer la vie des personnes, ceux qui sont livrés à des conflits, ceux qui sont livrés à des batailles, par la grâce qui est sur ta vie, je leur donnerai la victoire. Amen. Ton nom transporte les problèmes que tu vas résoudre. Lui, on l'appelait Gédéon. On l'appelait, pardon, vaillant héros. C'est-à-dire, il allait faire des guerres. Il allait gagner. C'est un héros. Toi, quel est ton nom? Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens peut-être qui s'appellent Richard.
C'est-à-dire qu'ils seront riches. Qui veut s'appeler Richard dans le ciel? Il y a un gars qui vient me dire, il dit, pasteur, non, moi-même, mon vrai pronom, c'est déjà Richard. Je veux bien le garder. Peut-être que ton nom sur la terre, c'est Richard. Mais au ciel, tu es appelé douceur. C'est-à-dire un gars qui apporte la douceur là où il y a... André a des noms que tu vises en particulier. Reçois ton appel au nom de Jésus. Reçois ton appel au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc un appel, c'est non moins un prénom qu'on prononce. Un nom, c'est plus, beaucoup plus une fonction spirituelle. Quelque chose que tu dois réaliser. Vainqueur. Il y a des gens, Dieu ne vient plus les appeler roi. Quand Jésus allait naître, on dit, où est le roi? On n'a pas dit, il sera roi. Il est déjà roi. Dans l'éternité, il est roi. Quand tu appelles quelqu'un roi, c'est un gars qui règne. C'est quelque chose de la situation. Lui, il règne. Qui s'appelle roi ici? Est-ce que vous savez que nous tous, on a le nom de roi et des reines? Ouais. Il a fait de nous un peuple de rois et des sacrificateurs. Donc ça, c'est un nom qui est commun à nous tous. Alléluia! Amen. Donc Dieu vient et il appelle Gédéon, vaillant héros. Et puis il lui dit, tu vas délivrer le peuple. Alors Gédéon lui a demandé, mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Et ils vont continuer leur entretien. J'arrive au verset 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Alors quand Dieu a dit à Gédéon, tu es un champion, tu es un héros, comme Dieu aussi te donne une destinée. Gédéon a posé la bonne question. Il a dit, mais j'ai quelles ressources pour pouvoir réaliser cela? Ma famille est pauvre. Je suis né d'une famille pauvre. Et au milieu d'une famille pauvre, moi-même je suis le plus petit. Et Dieu dit, le plus important, c'est que je suis avec toi. Alléluia. Quand Dieu te donne une destinée, et en ce moment-là, je vous assure, c'était mon thème du dimanche dernier. Reprenez l'enseignement pour restaurer votre appel, pour aller écouter votre appel. Alléluia. À la troisième bénédiction, Dieu vous donne les ressources pour pouvoir réaliser cet appel. C'est ce qu'on appelle la provision. Amen. La provision. La provision divine. Les ressources que Dieu va te donner te font sortir de l'indigence. Tu ne manqueras de rien. Que les ressources de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Alors il est très important de savoir que les ressources de Dieu sont à au moins trois niveaux. Les ressources de Dieu ne sont pas seulement matérielles. Dans la parole de Dieu, tu peux avoir de l'argent et être pauvre. Parce qu'un homme est corps, âme et esprit. Quand je parle d'appauvrissement que Madian crée, je ne suis pas en train de parler seulement de perte d'argent. Je parle de perte aussi des ressources émotionnelles. On a besoin de l'âme. La Bible dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. On a besoin de force intérieure. Il y a des gens, on les a vidés de leur énergie intérieure. Ils n'ont plus le courage de se battre. Que Dieu te restaure dans le nom de Jésus. Que tu ne sois plus appauvri au nom de Jésus. Que Dieu renouvelle tes forces dans le nom de Jésus. Amen. Et je vais te lire le jour numéro 4 où j'en parle. Amen. Alors, dans le jour numéro 4, en fait, mais j'en parle, jour numéro 4, jour numéro 5, 6 jusqu'à 7. Le thème du jour, c'était « Riche mais pauvre ». Apocalypse, chapitre 3, verset 17, il est dit « Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Amen. Ça, c'était une église à l'Apocalypse. Ils se disaient riches, ils avaient beaucoup d'argent. Et ils ont dit « On a besoin de rien. » Il y a des gens qui croient qu'ils n'ont besoin de rien. Dieu les informe. Il dit, tu crois que tu es riche? Moi, je te dis que tu es dans la misère. Je te dis que tu es pauvre. Je te dis que tu es nu. Alors, dans notre monde, le manque d'argent est appelé pauvreté. Pour Dieu, la pauvreté va bien au-delà. Est pauvre celui qui manque de ressources pour se nourrir, se vêtir, se loger, et prendre soin des siens convenablement. Mais est aussi pauvre, malgré ses nombreuses maisons et son compte en banque, celui qui ne trouve pas la paix intérieure. Est pauvre, celui qui peut inscrire ses enfants dans les écoles les plus chères,
mais qui n'arrive pas à leur inculquer des vraies valeurs, est pauvre, celui dont la grande fortune apparente repose sur des dettes et des magouilles. Est pauvre, celui qui derrière le bling-bling est émotionnellement ravagé. Est pauvre, celui qui derrière la célébrité est malheureux au point de se réfugier dans des drogues et autres formes d'addiction. Jésus a dit à l'église de la Odyssée qui avait des ressources, qui avait beaucoup de ressources financières, qu'elle est pauvre. Beaucoup de croyants en ces temps de la fin sont pauvres en dépit de leur situation financière enviable. La bénédiction numéro 3, pourvoit à tes besoins, de sorte que matériellement, spirituellement, émotionnellement, physiquement et sur le plan familial, tu ne manques de rien. Pour Dieu, les récipients d'aliments que sont la corbeille et la huche en Deutéronome 28:5 ne concernent pas seulement les aliments physiques. Jésus disait en Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. La parole est donc aussi un aliment, mais un aliment pour l'esprit. L'homme étant esprit, âme et corps, 1 Thessaloniciens 5, 23, chaque partie de son être a besoin d'être convenablement nourrie. Si le corps se nourrit d'aliments physiques, l'âme se nourrit de charges affectives et l'esprit de parole, idéalement de la parole de Dieu. Une maison où papa et maman offrent des cadeaux sans manifester quotidiennement de l'affection laissera les enfants dans la faim de l'âme. Les enfants seront pauvres. Elle dit une maison où tu mets ton enfant à l'école, tu donnes l'argent, mais que tu n'as pas de parole pour les enfants, tu ne sais pas les former, ta maison est pauvre. Là, la ville, on t'appelle riche, mais Dieu te regarde et dit, tu es pauvre, misérable. Si tu ne sais pas donner l'amour à ta femme, tu ne sais pas donner l'amour à ton mari, quel que soit ton argent, vous êtes pauvre. Aujourd'hui, sois délivré de la pauvreté. Amen. Une personne qui pourvoit aux besoins matériels de sa maison, mais qui ne communique avec personne, créera de la frustration. La parole est aussi un aliment. La pauvreté, selon Dieu, se révèle lorsque l'un de ces aliments nécessaires à l'équilibre, à l'être humain, est absent. Elle est alors l'absence de paroles de régénération spirituelle, de valeur ou d'amour, ou le manque de matériel. Oui, manifeste ta bénédiction numéro 3 au nom de Jésus. La bénédiction numéro 3 ne produit pas l'abondance, mais juste suffisant. Elle te fait sortir du manque avant que soit manifestée l'abondance et la prospérité, transportée par la bénédiction numéro 6 et numéro 9. Il est nécessaire que tu vives cette bénédiction avant d'aspirer à la prospérité. Il est important que les paroles de vie, l'équilibre émotionnel et le juste assez matériel soient présents dans ta vie avant la quête de la prospérité. J'ai vu des vies, des foyers détruits par une brusque et importante entrée d'argent. Les nouvelles responsabilités et le pouvoir ont créé de la distance dans des couples, ont créé la perte d'affection, de communication. La complicité a fini par faire défaut. En effet, comme les Saintes Écritures nous le disent, la prospérité apparente doit émaner de la prospérité intérieure. 1 Jean 3, 2. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Oui. Madian, c'est ce qui appauvrit. Mais c'est quoi qui appauvrit? On peut être appauvri émotionnellement. On peut être appauvri spirituellement. Je connais des personnes, dès qu'elles ont eu un peu d'argent, elles ont oublié leur femme, oublié leur maison. J'ai vu des messieurs, dernièrement même, j'étais en train de traiter ces cas comme ça. Le monsieur est venu, il demande à la femme, elle n'a qu'à partir. Ou bien lui, il dit, si elle ne va pas, lui, il s'en va. Parce qu'il a déjà pris une autre maison où il a installé une maîtresse. Et il dit à sa femme, moi, il est devenu riche, quoi, selon lui. Je pouvais, il met les enfants à l'école, il n'a pas le temps de ses enfants, il est toujours dans deux avions avec les maîtresses. Mais je te regarde, si tu me suis à l'écran, je te dis, tu es pauvre, tu es dans la haute misère. Tu es pauvre émotionnellement. Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette vie-là? L'argent t'est monté à la tête? Tu crois que tu as quoi? Une belle voiture, mais on s'en fout. Tes jolies maisons partout dans le monde, mais ce n'est rien. Et ton âme, et ton âme. Tu vois tous les gens que tu es en train de détruire. Regarde ces enfants, comment ils vont grandir sans leur papa. Et puis tu es tellement gonflé parce qu'on t'a félicité dans ton travail. Tu crois que tu es trop bon que ça? La vie d'un homme ne s'arrête pas sur la terre. Demain va arriver. La vieillesse va arriver. La mort va finir par arriver. Un jour, tu vas partir.
Et c'est là que tu vas te rendre compte, si tes voitures, tu vas les amener avec toi. Et en ce jour-là, tu sauras. L'homme n'est pas le produit d'un accident. L'homme a été créé. Et dans notre cœur à tous, on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Donc quand quelqu'un prend plaisir, tu ne peux pas dire que tu as marié une femme. Ce que tu fais là, toi tu aurais voulu qu'on fasse à ta fille. Si toi tu étais une femme, tu aurais voulu subir ça. Au premier culte, j'étais beaucoup sur les hommes. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des femmes comme ça aussi. Il y a un monsieur qui est venu me voir, il pleurait. Je dis, il y a quoi? Il dit, sa femme l'a laissé. Je dis, mais pourquoi? Il dit, je peux la voir pour lui parler. Il dit, elle l'a laissé. Il a tout fait, les démarches. Elle a laissé, elle est partie faire avec un autre monsieur, à Yopougon. Quelqu'un a envie de me demander, mais pourquoi elle est partie? Il faut chercher à savoir. Mais il y a aussi une raison pour laquelle les hommes partent. Il y a aussi une raison pour laquelle aussi certaines femmes partent. Mais c'est de la misère. C'est de la misère. Mes amis, quand Dieu dit « je pourvoirai à tes besoins », tu n'as pas besoin seulement d'argent. Tu as besoin d'affection. Tu as besoin de parole. Tu es tridimensionnel. Tu as trois parties. Ne pense pas que la vie... Vous savez, j'ai vu dans la maison des plus riches, j'ai vu la dépression, la folie, la drogue. Comment des gens qui ont autant d'argent sont obligés pourquoi ils prennent la drogue? Pourquoi ils prennent la drogue? Si tu prends, c'est quelqu'un à l'argent et puis prend la drogue. Parce qu'il est malheureux. Il a besoin de quelque chose pour le faire rentrer dans une autre atmosphère, pour oublier sa souffrance quotidienne. C'est un pauvre. Tu t'achètes tous les avions que tu veux, mais tu es pauvre. Tu as toutes les femmes que tu veux, mais tu es pauvre. Tu n'es pas riche. Dieu te regarde et dit, tu es pauvre. Tu es très pauvre même. Madian et Amalek sont passés par là. C'est quand vous sentez qu'Amalek est passé que les gens vont se réfugier dans l'alcool. Quand vous arrivez dans certains bars, vous arrivez dans la maison des riches, ils ont des endroits. C'est aligné de boissons. Ils passent le temps, ils boivent. Puis quand ils sont saoulés, puis on les saoulait, ils vont se coucher. C'est la pauvreté qui fait ça. Ils sont dans la haute galère. Ils ont besoin de s'évader, oui. Ils ont besoin de ne plus être réels. D'être dans un monde imaginaire. C'est de la misère. Jésus peut te sauver de cela. La vraie richesse. Jésus donne les moyens financiers. Mais Jésus te donne aussi une âme qui va avec. Jésus te donne aussi un courage qui va avec. Il te donne aussi une joie qui va avec. Il te donne aussi une paix qui va avec. Quand il dit, je pourvoirai à tes besoins, lui là, il connaît tes besoins. Combien de femmes ont vendu? C'est-à-dire que quand tu vois la richesse qu'elle a, elle-même, elle sait au prix de quoi elle arrive à ce niveau. Au prix de quoi? Au prix de sa vie, au prix de ses valeurs, au prix de son honnêteté, au prix de sa bonté. Elle a dû devenir intrigueuse. Adultère, payer des trucs bizarres, faire des alliances. Ma soeur, tu es pauvre. Tu es pauvre. Les gens ont beau t'acclamer, mais tu es misérable. Tu es pauvre. Et Dieu dit que cette pauvreté-là était dans l'église de Laodicée. Il dit à une église, ils ont des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont très pauvres. Ils ont beaucoup d'argent, ils gagnent les fortunes, mais ils sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas compris. Quand Dieu dit je pourvoirai à tes besoins, ils n'ont pas compris que Dieu parle de tes vrais besoins. Pas de ce que tu crois être ton besoin. Tu ne t'es pas fabriqué. Ton besoin, il te dit que ton besoin n'est pas seulement matériel. L'homme ne vivra pas seulement de pain, de la nourriture physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut à peu près trois dimensions pour combler, parce que tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Ces choses-là ont besoin de se nourrir, elles aussi. Alléluia. Tu peux être riche. Alors, tout mon message de la provision divine, on va voir comment Dieu pourvoit. C'est-à-dire que tu es comblé de tous côtés. Dieu va te combler. Dans ton foyer, tu es heureux. C'est-à-dire que tu es tranquille. Dans ta maison, c'est-à-dire que tu es prospère. Quoi. Tu as l'argent, les billets. Tu as l'argent de l'âme, et tu es prospère. Et puis en esprit, tu es bien aussi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors quand on parle de bénédiction numéro 3, ne voyez pas simplement l'argent matériel. Voyez au-delà. Voyez, laissez Dieu vous bâtir. Il y a des fois, Dieu ne vous donne, quand Dieu vous bénit, il y a des fois, il ne vous donne pas vite les meilleurs, l'argent. Parce que émotionnellement, vous n'êtes pas prêt à gérer les milliards. Vous savez ça? Donc, il y a des personnes, tu as l'impression que
L'argent qu'ils ont reçu là, c'est Satan qui est venu les détruire. C'est pour ravager leur âme. Parce qu'ils voient qui tu es. Ils te donnent rapidement de l'argent. Il y a des promotions qui ne sont pas des promotions. Il y a des promotions qui viennent te séparer de ta famille. Il y a des promotions, on te dit oui, on te nomme ici, voilà, tu deviens tant, mais tu ne peux pas vivre avec ta femme et tes enfants, où tu t'en vas? Tes enfants vont rester comment? Ils ne voient pas le papa, ils voient le papa une fois par an. Qu'est-ce qu'eux, ils vont devenir? Un enfant qui n'a pas son père? Quel argent tu veux? Quel argent? Les gens qui t'ont payé, là, tu vas te rendre compte quand tu vas approcher de la retraite, ils vont te chasser. Vous savez, il y a beaucoup de frères qui sont ici. Quand on les nommait, ils sont venus, papa, je suis fier, on m'a nommé, on m'a pris. À un moment donné, j'ai vu les mêmes boîtes vouloir se débarrasser d'eux. Mais un cynisme, un froid. Et puis souvent même, pour payer tes droits, là, c'est une entreprise qui a des milliards. Mais pour payer tes droits, c'est qu'ils vont te montrer. C'est comme s'ils prennent un malin plaisir à te voir souffrir. J'ai vu des personnes nommées avec des grands titres. Mais quand ils ont perdu leur poste, j'ai dit, mais c'est la même boîte là qui paye l'assurance de ta femme, de tes enfants, de tout le monde qui les a mis dans la meilleure école. Ils peuvent te lâcher comme ça. C'est-à-dire que tant qu'ils peuvent profiter de toi, s'ils ont trouvé quelqu'un qui a à peu près ton intelligence, c'est là que tu vas comprendre, frère. Qui ne t'ont jamais aimé, ils sont pris ces années-là pour vider ton énergie. Souvent, je dis ça à certains de mes fils spirituels. Elles sont là, elles sont là, on les nomme. Je vais être nommé, je vais être nommé. J'ai dit, mais tu vois pas qu'ils sont en train de prendre ta jeunesse? On vient de me mettre, je suis déjà. Mais tu n'as même pas le temps de t'asseoir à l'église pour rencontrer un frère pour te marier. Ils ne veulent même pas que tu te maries parce que quand vous avez des enfants là, ça allait prendre du temps. Donc, on fait tout même pour ne pas que tu te maries, que tu tombes enceinte, que tu aies des enfants. On dit, non, attends, donc on te prend depuis 25 ans là, on te finit. Tu as été 40 ans, tu n'es toujours pas marié. Quand tu vas aller vers la retraite, merci, on a trouvé quelqu'un d'autre. Oust! Et tu vas te rendre compte que tu viens d'être madianisé. Ta société t'a madianisé, avec amalécisé. Madian, ça peut être des entreprises dans lesquelles vous travaillez, qui vous exploitent. Et pendant ce temps, ils font lui, ta vie est comme ça. Ils t'exploitent. Et après, on te laisse sur le carreau, sans rien. Non, si vous connaissez ce que c'est que la provision divine, vous allez voir comment Dieu va intervenir. Dieu va empêcher ces madianites-là d'arriver, de réduire votre vie. Il va te faire grandir physiquement, matériellement, émotionnellement, spirituellement, dans un équilibre. Il va te dire, il y a des propositions, tu dis non. Il va te montrer. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Je viens de la part de Dieu aujourd'hui pour mettre fin aux œuvres de Madian et de son camarade Amalek dans vos vies. Ta vie doit produire le fruit qu'elle doit produire. Est-ce qu'on appelle la bénédiction numéro 3, la provision divine? C'est une vraie bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. La vraie richesse vient de la bénédiction de Dieu. Et il n'y a pas de chagrin derrière. C'est ton héritage au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Oui, je dis cela vraiment par amour pour toi. Il faut que tu rentres dans l'abondance divine. Mais d'abord, il faut que tu aies la bénédiction numéro 3, c'est-à-dire le juste assez. L'équilibre spirituel, l'équilibre à tous les niveaux. Amen. Donc, Dieu dit à Gédéon, je t'ai choisi. Il dit, je suis avec toi. Je te donne la force pour réaliser ce que tu dois réaliser. Et Gédéon va faire une offrande à Dieu. Et au verset 25, donc vous voyez, destinée de Gédéon, il doit vaincre les Madianites. Mais au verset 25, quelque chose se passe. Lisons ensemble à partir du verset 25. On y va. 1, 2, 3. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré
placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se disent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches, et on leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Bref, je saute toute partie. Et puis après, on arrive au verset 33, où tout Madian et Amalek et les fils de l'Orient se rassemblaient. Donc juste après ça, les Madianites et les Amalécites vont revenir à nouveau, mais Dieu va les leur donner une défaite comme ils n'ont jamais imaginé. Alors Dieu vient, il révèle par l'appel la destinée de Gédéon, mais il va lui donner les ressources. Avant de vaincre les dévoreurs, parce que Madian vient tout voler, Madian appauvrit émotionnellement, spirituellement, physiquement. Avant d'attaquer Madian, Dieu va dire, va d'abord dans la maison de ton père. Il y a un autel qui est là-bas. C'est lui qu'il faut détruire. Donc, au lieu de s'attaquer directement à les raisons apparentes de la pauvreté, de l'appauvrissement, Dieu va ramener Gédéon dans la maison de son père. Il va aller à l'origine et il se trouvait qu'il y avait là-bas un autel satanique. Et cet autel satanique-là n'était pas un autel dédié à Dieu, mais un autel dédié à Baal, qui est le dieu des Madianites et des Amalécites. Pourtant, on voit que la population même n'invoquait pas Baal, parce que lorsqu'ils ont eu des problèmes, ils ont crié à l'Éternel, envoie-nous la délivrance. Ils ont crié à l'Éternel, mais ils avaient conservé, malgré qu'ils appelaient Dieu, il y avait quelque chose dans leur vie qui n'était pas à Dieu, qu'on appelait un autel, qui était dans la maison du Père. Et cet autel-là était la cause du problème. Lorsque l'autel a été renversé, leur pauvreté chronique, cyclique, parce que Madian vous attaque, t'attaque, dès l'instant où les choses commencent à partir, dès l'instant où les choses commencent à aller, quand tout commence à fonctionner, Madian revient. Et pour délivrer, pour chasser cet esprit de pauvreté qu'on appelle Madian, d'appauvrissement, Dieu dit, il faut que tu traites avec l'autel. C'est pourquoi mon thème, c'est renverser les trois autels d'appauvrissement. Trois types d'autels, et je te parlerai de comment ces autels-là placent, qui appauvrissent ta vie sentimentale, émotionnelle, ou matérielle, ou financière, ou spirituelle, comme un moteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est un point de connexion entre le monde invisible et le monde visible. C'est un point de connexion. C'est une zone où les esprits qui sont dans l'invisible peuvent venir intervenir dans le visible, peuvent interagir avec les hommes. On a des autels dédiés à Dieu et on a des autels dédiés au diable et aux démons. Ces autels-là donc permettent, les autels sataniques permettent à des démons d'intervenir. Tandis que les autels dédiés à Dieu sont des points de connexion entre le ciel et la terre. Alléluia. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. En Christ, nous comprenons que les autels, c'est plus que des cailloux qu'on enchemine. Un autel peut marcher avec toi. Un autel peut rester dans ta vie. J'écoutais un témoignage hier. Je m'en suis servi pour prier hier, comme je suis en train de prier pour l'enfantement d'un papa qui avait bâti un autel d'appauvrissement, en fait, qui venait dévorer les enfants de sa propre fille. La nuit, il venait sous forme de mari de nuit, entretenant des rapports, la rendant enceinte mystiquement. Et il avait bâti dans son utérus. On lui a dû lui enlever. Et ça avait donné des gros fibromes, des trucs bizarres. Bon, ça, j'en ai parlé hier au samedi des miracles. Et chaque fois qu'elle tombait enceinte, les fœtus, là, c'est ceux-là qui étaient sacrifiés sur l'autel. Donc, c'est comme ça. Parce qu'un autel, on va voir, il est entretenu par le sang. Mais bon, amen. Et c'est là que tu vas comprendre la valeur du sang de Jésus. Bref, c'est des choses peut-être que tu as déjà entendues. Je rends grâce à Dieu. Mais je veux relâcher une puissance dans ces jours-ci, là, qui va renverser des autels, qui attire dans ta vie beaucoup de blocages et d'appauvrissement. Il faut que tu avances, il faut que tu avances, il faut que tu avances. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc ces autels-là, qui étaient dans la maison de son père, étaient mystiquement l'espion spirituel qui était dans leur vie. Chaque fois qu'ils commençaient à trouver du travail, chaque fois qu'une bonne chose commençait à leur arriver, ils commençaient à avoir de la ressource, c'est comme si l'autel appelait les Amalécites, appelait les Madianites. Venez, venez, venez. Et ils arrivaient, ils ravageaient. Quand les autels persistent dans ta vie, les autels
te ramène, tu vas dans des... Tu as des victoires et puis un coup, tu reviens en arrière. On t'appauvrit à nouveau. Ça commence à aller dans ton foyer. L'autel crie, palabre dans le couple, palabre. Et l'esprit d'appauvrissement de votre richesse émotionnelle est mis à rude épreuve. Les Madianites arrivent, accompagnés des Amalécites, et ils ravagent le peu de bonheur que vous avez commencé à avoir. Et te voilà encore à nouveau. Chaque fois qu'ils repartaient, les Israélites recommençaient. Parce qu'il faut vivre. Ils recommençaient encore à planter. Maman va aller à l'hôpital. Papa a ceci. Il faut payer ceci. Il faut payer cela. Il faut payer ceci. Il faut payer cela. Et tu n'arrives pas à te réaliser. Chaque fois qu'Israël avait des ressources, une voix, quelque chose appelait les Amalécites et appelait les Madianites qui revenaient sur le territoire. Et la Bible dit, ils venaient de sorte à tout ravager. Ça dit que quand ils partaient, tu dois recommencer. Et ils attendent et ils reviennent. Ils attendent et ils reviennent. Ce n'était pas une occupation permanente. De sorte que ce genre de personnes vont dire, mais je ne suis pas possédé, il n'y a pas d'esprit. Ce n'est pas une occupation permanente. C'est une occupation, c'est une attaque qui survient au moment où certaines bonnes choses sont en train de se mettre en place dans ta vie. Les autels, c'est une réalité spirituelle qu'on renverse au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qu'on va traiter. Tu vas être délivré. Tu dois avancer. Ce n'est pas des possessions parce que tu n'es pas possédé. Jésus t'a délivré. En tout cas, si tu es de nouveau, tu n'es pas possédé. Mais il faut traiter avec l'autel. On va le renverser au nom de Jésus. Amen. Amen. Regarde, je ne suis pas venu parler pour que tu pleures. Hein. Il y a des gens qui ont trouvé, on dit, hé, pasteur, ma vie. Et comme ça. Les autels, ce n'est pas pour les pleurnicheurs. Les autels, quand on les traite, là, je vais t'expliquer dimanche prochain. Il y a un passage dans le livre de 2 Rois 13. Dieu dit ceci. Il a un prophète. Il dit, va et puis crie contre l'autel. Un autel, on ne lui parle pas avec douceur. Il dit, tu cries. Ça veut dire, tu viens avec une assurance. Tu te tiens droit et tu déclares ton droit, ton autorité. Tu déclares l'illégalité de sa présence dans ta vie. Et tu le mets en housse. Je suis venu pour mettre... Pour pas que tu te lamentes, je veux que tu sois rempli d'une sainte colère. On casse. J'ai dit, tu dois finir avec cet autel. Il faut que tu prospères. Amen. Donc, avant de chasser Madian qui était un dévoreur, Dieu a d'abord fait enlever l'autel. Avant de chasser le dévoreur. C'est ce que Jean 10:10 nous révèle. Dieu dit quoi en Jean 10:10? Jésus dit, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est-à-dire, Jésus dit quoi? Là, comme affichez-moi Jean 10:10. Jésus dit quoi? Que pour vivre l'abondance divine, il faut finir avec le voleur. Parce que, quel que soit le travail ou les ressources que tu vas te donner, si on n'a pas traité avec le dévoreur, il dit quoi? C'est Satan. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc, Jésus met en opposition deux réalités. L'abondance divine contre le vol du diable, contre la destruction de Satan. Les deux sont étroitement liés. Il faut traiter avec le voleur. Il faut traiter avec la source de pauvreté, d'appauvrissement à tous les niveaux. Et quand cet appauvrissement est cyclique, revient régulièrement, il est possible qu'il soit causé par un autel. Sinon, trois types d'autels qu'il faut renverser au nom de Jésus. Avec moi, je te renverse dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont déjà renversé. C'est bien de renverser. Et puis, je t'expliquerai dimanche, en fait, qu'il y a même certains autels, en fait, c'est pas que Dieu ne veut pas les renverser, mais tu as fait des combats dans le passé, mais Dieu n'a pas traité parce que tu n'étais pas prêt pour bâtir l'autel de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Il dit, on va faire deux choses. On va renverser l'autel de Satan et tu vas me bâtir un autel. Parce qu'il ne faut pas renverser et puis laisser vide. Donc souvent, ton âge spirituel ou ta maturité spirituelle, tu sais que tu peux faire la prière pour chasser le mauvais autel, mais tu ne sais pas, tu n'as pas la maturité pour bâtir l'autre autel. Si vous remarquez bien ce qui est dit à l'intérieur, regarde ce qu'il dit. Il dit, qui a remarqué le nombre d'années que devait avoir le bœuf qui devait faire le deuxième autel? Pendant combien de temps Dieu avait livré Israël à Madian? 7 ans. Il dit, Dieu a livré Israël à Madian pendant 7 ans. Pour bâtir, là, il dit, tu vas prendre un bœuf aussi de 7 ans. Alléluia. Alléluia. Pour dire que toutes les années où l'ennemi a volé, où le diable a volé, Dieu restaure cela. Alléluia. Et il te donne un bonus. Amen.
Donc un hôtel est une voix qui crie, qui appelle constamment. Tu dois bâtir aussi l'hôtel de Dieu qui appelle. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? Si tu vas aller planter un champ de maïs, mais que tu arraches les mauvaises herbes, que tu ne plantes pas le maïs, les mauvaises herbes vont revenir. Donc, vous pouvez détruire les hôtels sataniques, mais si vous ne construisez pas ce qui est à Dieu, la vie que Dieu attend de vous, le vide, la nature aura du vide, quelque chose va revenir encore, d'autres mauvaises herbes vont revenir. C'est quelquefois, quand Dieu voit qu'on n'a pas la maturité, ou bien on n'a pas le second bœuf. Et tu as le premier bœuf pour renverser l'hôtel, mais tu n'as pas le deuxième. Donc il dit, attendons d'abord que le deuxième arrive. C'est ce qu'il dit, lorsqu'un esprit est chassé, il part et il tente de revenir. S'il trouve la maison vide et ornée, il amplifie les problèmes de la personne. Ok? Ça veut dire que la bonne délivrance, elle doit se faire quand tu as de quoi remplir à nouveau la maison. Il ne faut pas que l'ennemi vienne trouver le vide. C'est la raison pour laquelle il y a certains qui ont déjà fait des combats contre les hôtels. Ça marchait, mais ça a pu se replacer parce qu'il y avait une information de ce que tu devais bâtir là-dessus que tu n'as pas comprise. Alléluia. Donc, on va renverser, mais on va bâtir. On va renverser, mais on va bâtir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que si tu renverses l'hôtel de la pauvreté, il faut bâtir l'hôtel de la richesse. S'il y a une voix qui attire le malheur dans ta vie, il faut une autre voix qui crie tous les jours, il est béni, il est béni, elle est bénie. C'est pourquoi on chante, je suis. Et je vais répéter tous les jours que tu es spécial, que tu es unique. C'est ce que tu dois croire. Parce que l'hôtel va te rappeler que tu es nul. L'hôtel va te dire que tu es méchant. L'hôtel va te dire que tu es mauvais. L'hôtel va créer des problèmes. C'est bien d'enlever cette voix qui t'amène à faire n'importe quoi. Mais il faut la remplacer par une autre voix qui dit ce que tu es, qui tu es. Où tu vas, tu as besoin d'entendre dans ton esprit que vraiment tu es un champion pour Dieu, que vraiment tu réaliseras de grandes choses. Il faut qu'on te le dise. Si tu entends tous les jours à longueur de journée, Satan te poursuit, le diable est contre toi, tout ce que tu entends est négatif, ça ne va pas te guérir. Ça va juste te permettre d'enlever le mal, mais il faut créer le bien. Il faut qu'il y ait une autre voix qui te rappelle en toi qui tu es, la victoire que tu as acquise à la croix, ce que Jésus a fait dans ta vie. Il faut que tu t'appropries. Il faut que ce ne soit pas une vérité ponctuelle. Il faut que ces vérités-là soient la forme d'un autel. Un hôtel qui parle et qui crie la victoire. Et qui crie. Tous les matins quand tu marches, ça crie. Tu vas gagner. Jésus avec toi. La victoire avec toi. Dieu dit ceci à Gédéon. Et Gédéon dit, je suis trop faible. Il dit, tu n'es pas faible. Va avec la force que tu as. Je suis avec toi. Il est important que tu saches tous les jours de ta vie que le Dieu qui a fait le ciel et la terre est avec toi. Et ça, tu dois bâtir un hôtel. Quelque chose qui te rappelle qui tu es et où tu vas. Bref, on en parlera dimanche prochain. Alléluia. Il ne s'agit pas de faire la guerre contre les démons. Les démons peuvent partir, mais si la maison est vide et ornée, ils reviennent. Il dit les deux choses à Gédéon. Tu enlèves le mauvais hôtel, mais tu bâtis un hôtel à Dieu. Que cette guérison et cette délivrance que Dieu va opérer dans ta vie produisent la délivrance, mais aussi la construction d'une chose bénie par Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es fâché pour renverser? Parce que quand on renverse là, on crie. Hein? Ce n'est pas le cri de la voix, c'est une assurance interne. C'est quelque chose qui dit que ça suffit. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a trois types d'hôtels. Le temps étant passé, je vais te citer. Et puis, dimanche prochain, on va partir de là et puis les renverser au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu aussi, déclarer. Amen. Donc, l'affaire d'un hôtel, d'une hôtel, pardon. Non, c'est non. Un hôtel, je ne sais pas pourquoi je dis un hôtel. D'un hôtel, c'est la voix. L'hôtel parle. Ok, gloire à Dieu. Alors, je dis, il y a trois types d'hôtels qui attirent l'appauvrissement. Qui attirent l'appauvrissement. Les premiers qui sont les plus connus, ce sont les hôtels démoniaques. C'est-à-dire des démons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton histoire, ou dans l'histoire de ton papa, ou dans l'histoire de tes origines, qui appelle des démons. Qui les appelle dans ta vie. Ce type d'hôtel est aussi appelé des prisons démoniaques. C'est par rapport à cela que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs. Il y a des gens qui sont captifs. Ça veut dire que ce démon-là, il est appelé, ce sont les démons qui viennent et qui vont te faire faire n'importe quoi. Comment quelqu'un peut être appauvri par des démons? Il y a des personnes, par exemple, l'esprit qui les appauvrit, c'est l'alcool. L'alcool. Dès qu'ils ont un salaire, le démon là arrive.
Juste un petit coup. Le temps qu'ils comprennent, le monsieur, il a 400 000 francs. Mais le même jour où il a eu son salaire, 150 000 francs sont partis en alcool. Il est conscient que ça détruit sa vie. Il est conscient que ça ne lui permet pas de mettre les enfants à l'école. Mais il est comme dans une prison. Le désir d'aller boire, d'aller être avec des amis. Et puis, c'était ce démon-là. Il est d'une générosité extraordinaire. Quand les gens arrivent comme ça, le gars n'a pas l'argent. Hein. Puis il est là, j'offre. Il offre la tournée. Il offre les tournées. Sa femme, la maison, il n'a pas encore payé le loyer. Donc, au bar, on appelle le vrai gars. Vous pensez qu'un tel homme n'est pas conscient que sa vie a un problème? Si, mais il ne fait pas exprès. Il y a comme un hôtel, il est dans une prison. Et il y a des démons qui l'amènent vers l'alcoolisme, vers des moyens pour dilapider les ressources que Dieu lui a données. Et il y a des démons qui vont attirer les gens vers le sexe. Le sexe est un puissant moyen de Satan pour appauvrir certaines personnes. Le péché du sexe. Je connais même des gens qui sont pasteurs. Oui. C'est-à-dire, ils sont dans la prison. Et Dieu m'a fait comprendre ça. Il dit, tu vois, prie pour ton frère. Il faut qu'il sorte de la prison. C'est une prison sexuelle. Et la prison sexuelle va à l'art de voler votre argent, mais surtout voler la vigueur intérieure, la force intérieure. Et c'est une prison. Que Dieu t'en fasse sortir dans le nom de Jésus. Que Dieu t'en fasse sortir dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre de toute prison satanique dans le nom de Jésus. Tu sors de ces prisons sataniques-là au nom de Jésus. À certains, l'autel va plutôt appeler des démons de problème. Tout à l'heure, je parlais de ceux qui, dès qu'ils ont une entrée financière, plein de difficultés arrivent. Des accidents, des dépenses. Les dépenses arrivent en même temps. C'est comme si, quand ils n'ont pas l'argent, les dépenses sont pas là. Vous voyez, ça c'est vraiment Madian. On dit dès qu'ils avaient un peu de récolte, Madian arrivait. L'hôtel l'appelle au moment où il faut. Et il y a comme l'hôtel qui est là, qui appelle le problème au moment où tu as un peu. Dès que tu as un peu d'entrée, grand-mère, grand-père, ton frère, ta soeur, ton ami, et tu te retrouves à faire des trucs. Des frères, 1 million, 500 000, 2 millions, 10 millions. Et avec ça, il veut construire une maison, il n'arrive pas à la finir. Parce qu'entre finir sa maison et puis répondre à l'urgence de sa maman qui doit aller à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Et c'est comme ça, chaque fois. Et après 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne regarde sa vie, elle n'a pas bâti grand-chose. Madian passe chaque fois qu'il y a une ressource. Mais je viens dans le nom de Jésus. L'autel qui appelle ces problèmes-là doit se taire pour toujours au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas avancer. Le voleur doit se taire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc les hôtels démoniaques appellent des problèmes. Ils appellent soit le péché qui t'approvisionne, ou ils appellent des problèmes. Ils appellent des problèmes qui arrivent en même temps qu'arrive l'approvisionnement, le travail, le salaire, la promotion. Donc en même temps qu'ils ont des promotions, en même temps ils ont des poche de perte. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Tu dois traiter avec les hôtels démoniaques. Et comme je dis souvent, ce type d'hôtel trouve son origine dans la maison de ton père. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Deuxième type d'hôtel. Le deuxième type d'hôtel, on l'appelle souvent aussi des malédictions. Des malédictions. Regarde, Jérémie chapitre 20, 22, verset 29. Jérémie 22, 29. Il est dit, Jérémie 22, 29. Est-ce qu'on est ensemble? On lit ensemble. 1, 2, 3. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. On s'arrête là pour le moment. Regardez ça. Ici, c'est Dieu qui est en train de maudire une personne qui a été vraiment l'ennemi de la maison de Dieu. Et Dieu va utiliser un procédé. Je vais vous expliquer que l'ennemi procède aussi par la même chose. Il dit,
Dieu parle au sol. Il dit à la terre, 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 terre. Faut écrire, faut inscrire sur la terre cet homme-là comme étant privé d'enfant. Il dit, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. C'est-à-dire, la pauvreté là, a été écrite sur la terre. Ça veut dire que tant qu'il est sur la terre, il ne peut pas avoir d'enfant et il ne pourra pas prospérer. Quelles que soient les affaires, il y a une voix qui a été inscrite. Il y a une lecture, quelque chose qu'on lit chaque fois. Que la, quand la terre est là, elle dit, je vais te faire réussir. La terre lit, le monsieur tant sur cette terre doit rester dans la misère. Et la terre va veiller à ce que ce qui a été inscrit puisse se réaliser. Alors là, ce n'est pas directement des démons, mais c'est une inscription sur la terre. Terre, 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 écrit, inscrit que ce monsieur est privé d'enfant et que ce monsieur ne peut pas prospérer. Il y a des choses qui ont été inscrites dans la terre. Et quand je vais le traiter dimanche prochain, tu vas voir qui peut inscrire. Qui peut inscrire? Il y a des gens, on a inscrit. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Je ne vais pas t'expliquer le problème. Je vais te dire comment on va traiter avec ça rapide. C'est une petite affaire. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Lorsqu'il rencontre cette femme adultère, je crois que c'est pour ça que Jésus s'est abaissé pour écrire. La Bible dit, Jésus a rencontré une femme que les gens accusaient. Et on dit que cette femme-là, on voulait la tuer. Et on pose la question à Jésus. Attends, on va lire le texte, c'est trop beau. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Jean 8. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était abaissé. Je t'assure, dimanche prochain, dès même cette semaine, Jésus va s'abaisser aussi. Alléluia. Donc, ils étaient en train d'accuser la dame. D'accuser, et ils voulaient accuser. Oh, on va la lapider. Elle mérite, elle a commis l'adultère. Voilà, voici. Mais la Bible dit, Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus s'étant baissé. Je pense qu'il a dit, regardez sa fille là. Et puis il dit, non. La vie de cette dame là, la terre l'a scellée. Sa vie où elle doit se livrer aux hommes a été écrite. Et Jésus est parti en train de réécrire. La Bible dit, mais j'aime ça, regarde le texte. Alléluia, la parole de Dieu. Il disait cela pour l'éprouver. Mais Jésus s'étant baissé. C'est pour dire que Jésus s'est abaissé à cause de ce qu'il disait. Pourquoi la Bible mentionne cette attitude de Jésus? Les gens sont en train de dire, réponds Jésus, on fait quoi? On la tue, on la laisse. La Bible dit que Jésus n'a pas parlé. Quand ils ont commencé, Jésus s'est directement abaissé. Et puis il a commencé à écrire quelque chose au sol. Écrivait avec le doigt sur la terre. On continue. Comme il continua à l'interroger, Jésus se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et on continue, il a dit quoi? Et s'étant de nouveau baissé, il s'est mis à écrire. C'est-à-dire qu'il tenait à écrire. C'est-à-dire que, donc comme les gens l'ont harcelé, oh, il ne faut pas aller, il s'est levé. Il dit, bon, le premier qui n'a pas péché, qui lance la pierre. Et il s'est remis à écrire. Pendant qu'il réfléchissait, je crois qu'il était en train de reprogrammer quelque chose. Il n'a pas écrit pour leur, parce que la réponse qu'il leur a donnée, c'était pour les calmer. La réponse qu'il leur a donnée, la Bible dit, il leur a dit, bon, vous vous sentez digne de la lapider, lapidez là, allez, faites. Le premier qui n'a pas péché, qu'il fasse. Et la Bible dit, dès qu'il a fini cette phrase, il est reparti au sol. Et il a continué d'écrire, parce que le texte dit, comme il continuait de dire à Jésus, donc il a fait une pause pour leur répondre. Parce que quand ils ont commencé là, Jésus ne s'est pas occupé d'eux. Il dit, le problème n'est pas ce que vous voyez. Il y a quelque chose qui est écrit contre cette femme. J'allais réécrire ça. Et Jésus s'est abaissé pour commencer à écrire. Mais les gens étaient sur son dos. Donc il s'est levé. Il a dit, bon, qui n'a jamais péché, lance le premier la pierre. Et quand il a fini, il est reparti au sol. Et il dit à la femme, quand ils sont partis, ils sont tes accusateurs. Moi aussi, je ne t'accuse plus. Je vais te dire qu'il y a dans le Christ la capacité, et Dieu va le faire pour toi, d'aller là où on a inscrit des choses négatives contre ta vie. Dieu réécrit cela. D'ailleurs, même Dieu a déjà même réécrit. Il faut que tu rentres en possession de l'écriture nouvelle que Jésus a déposée dans ta vie. Alléluia. 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 Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai dit, on renverse combien d'hôtels? Mais je ne vais pas te parler du troisième. Dimanche prochain.
le troisième hôtel. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Je te parlais donc de l'hôtel démoniaque, qui est un acte, qui est quelque chose qui existe, qui appelle des démons, qui te font faire des choses que tu ne dois pas faire, qui te font t'investir, qui te font avoir des réactions. J'ai vu des personnes, quand il y a des gens, l'hôtel démoniaque, quand tout va bien dans leur maison, il y a un démon qui vient, il faut qu'il crée un palabre. C'est-à-dire que la veille, mon mari, c'est l'homme le plus doux de la terre. Mais le lendemain, elle va tout gâter. Il faut qu'elle fasse quelque chose pour le blesser. Il faut qu'elle fasse quelque chose pour le détruire. L'hôtel est en train de t'appauvrir. Il est en train de détruire jour après jour ton foyer. Il y a des personnes, c'est comme si tout ne peut pas bien aller. C'est-à-dire quand tout commence à aller, je ne sais pas quoi, il faut qu'il pose un acte pour tout gâter. Il faut qu'il gâte. Il faut qu'il gâte. C'est trop facile que ça marche. Il faut qu'il y ait des palabres. Il faut qu'il y ait des histoires. Donc leur vie est comme ça. Bonheur conjugal, tristesse conjugale. Bonheur conjugal, tristesse conjugale. Chaque fois que la maison commence à rire, à dire waouh, Jésus nous a visités, il y a des attitudes qui apparaissent pour tout casser. Et on repart à zéro. À un moment donné, on est blasé, on est débité, on ne sait plus quoi faire. Pourquoi c'est cyclique? Pourquoi ce problème-là, ces palabres-là? Bonheur, tristesse, bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui crie en fait. Il y a un hôtel. Il n'est peut-être pas dans ta vie, mais il est dans la maison de ton père. Il faut l'arracher. Il faut le renverser. Il faut que tu te déplaces spirituellement et que tu ailles. Mais ne te limite pas à le renverser. Il faut aussi que quand tu pars, avant d'aller renverser, que tu aies tes deux bœufs. Le premier pour renverser, le second pour faire l'autel de Dieu. C'est-à-dire pour bâtir l'autel de Dieu. Donc on ne combat pas seulement. On combat, on arrache et puis on plante quelque chose d'autre. Il faut que tu plantes ce que tu dois planter. Il faut que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus a déjà effacé tout ce qui avait été écrit contre toi. Il faut que tu possèdes ton acte de délivrance et de restauration. Et que tu te tiennes devant le diable. Il est totalement illégitime. Si tu as donné ta vie à Jésus, tout hôtel est illégal et illégitime dans ta vie. Tu peux t'arrêter avec assurance. Aucun démon ne peut venir te dire, ton papa nous a sacrifié cela, donc tu nous dois. Tu ne dois rien à aucun démon, à qui que ce soit. Dès l'instant où tu as dit, Jésus-Christ entre dans ma vie. Jésus est la première clé, la conversion à Christ pour vaincre les hôtels. Amen. Mais quand tu as vaincu, il ne faut pas penser que les démons ne vont pas revenir. Ils ne peuvent pas te posséder, mais ils vont venir essayer de t'intimider. Tu dois te tenir droit, les regarder en face et puis déclarer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que les autels sataniques soient renversés dans ta vie. Quelle que soit la forme qu'ils prennent, nous les renversons par la puissance de Dieu. Nous les réduisons à néant par la puissance de Dieu. Tu vas te tenir debout avec moi. Tu ne vas pas attendre dimanche prochain pour commencer à les ravager. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Rinda baba so katara. Tu vas commencer à prier en langue. Si tu sais prier en langue, tu vas prier en battant les mains. Et tu vas d'abord déclarer ton assurance et ta victoire contre ces œufs des ténèbres. Et tu vas commencer à leur rappeler la victoire de Jésus à la croix. A dit que toi tu connais Jésus, que Jésus t'a sauvé. Élève la voix, ne bat pas seulement les mains, mais prie. Parle, l'autel de la maison de ton père doit se taire. Ta vie doit avancer. Ta vie doit avancer. Ta vie doit avancer. Ta destinée doit se mettre en place. Les ressources doivent venir. On doit arrêter de voler ce que tu bâtis. On doit arrêter de ravager ce que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui te donne. Personne ne doit ravager. Le voleur doit se taire. Le meurtrier doit partir. Rekatarian dabrada sorobara la konda rababe. Shokatariba brada sorobara la gloria dababasa. Raide sorobara la gloria dababase. Shekatarian dabrada sorobara la ko. Rokatarimabe. Lokatayamadara mama. Shabakatarama brada sorobara la gloria dabra. Rabakatali mabu. Rebakatayababashe. Nous renversons les hôtels des ténèbres et nous bâtissons le fer de Dieu dans nos vies. Nous renversons les œufs de l'enfer. Nous renversons les voies sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde les mains levées. Une des premières choses par rapport à renverser, c'est vraiment agir sous l'onction. Je déclare sur ta vie que la puissance de Dieu pèse sur toi. Cette semaine, tu es loin d'une manière particulière.
La première des choses, vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé de comment on interprète les songes et les visions. Restez debout. Là, comme vous pouvez m'amener l'image de la tour. Je ne l'ai pas fait au culte précédent, mais je vais vous montrer la tour. Amen. La tour prophétique. Alors, la tour prophétique, ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est la Bible qui en parle. La Bible dit, par exemple, dans le livre d'Habakouk, le prophète dit, je me suis tenu sur la tour pour voir ce que Dieu me dirait. Ok? Amen. Je me suis tenu sur la tour pour voir ce que Dieu me dirait. Il y a quelque chose qu'on appelle la tour. Là, comme je vous ai donné ça, est-ce que vous m'affichez? Ok. Ok? Alléluia. Bon, ça, c'est un dessin que je fais pour imaginer ce que c'est. Alors, c'est une position intérieure spirituelle. Donc, vous allez voir plusieurs fois dans la parole de Dieu, les prophètes disent, il faut se tenir sur la tour. Donc, une tour, c'est généralement ce qu'on appelle une tour de garde, une tour de contrôle. C'est la position des sentinelles. Donc, les gens montent. Et puis, avec la tour, tu vois loin. J'en ai parlé beaucoup en fin d'année en disant, Dieu, il faut que tu t'élèves pour voir loin. Donc, quand vous regardez la tour, plus haut tu montes, plus loin tu vas. Tu vois, pardon. Mais, et dimanche dernier, je vous ai dit que Dieu est en train de vous appeler. Donc, plusieurs, peut-être Dieu va vous parler par des songes, par des visions. Et comment il fallait traiter avec ça? Dormez avec de quoi écrire. Priez, faites les prières avant de dormir. Je vous ai montré verset biblique à l'appui. Faites la prière avant de dormir. Notez tout ça, dites la haute voix. Je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Et puis après, ce qu'il fallait faire. Amen. Votre appel, c'est Dieu qui vous fait monter pour vous montrer votre futur. Donc, si tu regardes ma tour là, à droite, j'ai marqué événement futur. À gauche, j'ai marqué événement passé. Amen. Dans le monde spirituel, Dieu peut t'accorder deux grands groupes de révélations. Les futurs, c'est ce qui n'est pas encore arrivé pour dire je ferai ça avec toi. Ok? Le passé, c'est ce qui a fait que tu es à un niveau aujourd'hui. Donc, les hôtels, ce sont des choses qui appartiennent à ton histoire, mais qui paralysent ta vie dans le présent. Donc, Dieu peut t'élever et au lieu de te donner une révélation de ce qui va arriver, c'est comme s'il te met sur la tour, mais par derrière. Et il ouvre tes yeux pour te dire, voici ce qu'il y a dans la maison de ton père. L'habitude, là, elle vient de là. Le problème, là, il vient de là. Ce n'est pas que tu es possédé, mais ça vient de là. C'est une voix que tu entends. C'est une voix qui revient. Si ton papa avait un problème avec les femmes, par exemple, cela va peut revenir. Si ton papa a toujours échoué à telle étape de sa vie, la même voix, là, peut revenir. Et puis, quand toi, tu commences à réussir, elle va te expliquer ce que ton papa a eu. Ok? C'est juste des voix qu'on entend. Ça veut dire que ça crée des pensées, ça nous donne des idées. Mais on n'est pas obligé de céder à ça. Donc, cette semaine, pendant que vous avez l'onction, beaucoup d'entre vous vont recevoir des orientations par rapport au passé. C'est-à-dire, tu vas vous élever, pas pour montrer le futur, pour vous montrer ce qui a pu se passer. Ok? N'ayez pas peur, c'est très simple. Une fois que tu as ça, c'est juste que ça sera beaucoup plus facile. Dimanche prochain, lorsqu'on va prier, ou bien en semaine, tu peux déjà commencer à prier, mais de savoir dire, je t'arrache. Et comme tu sais ce qui s'est passé, tu sais exactement ce que tu dois bâtir comme hôtel. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui, dans la Bible, doit faire l'objet de tes confessions? Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Mets la main sur la tête comme ça. Que Dieu te donne de voir ce que tu dois voir. Que Dieu te révèle ce que tu dois savoir. Que Dieu te révèle ce qui s'apprête à arracher dans ta vie. Que le Père te montre, le Saint-Esprit te montre, que la nuit qui te parle, qui te montre ce qui t'a combattu, et qu'il te montre aussi ta victoire, qu'il te montre ton futur, qu'il te montre ce qui t'arrête et qu'il te montre ce qu'il va faire, qu'il détruise ce qui t'a toujours arrêté, ce qui t'a toujours bloqué, qu'il renverse ces hôtels et que tu bâtisses les hôtels de ton futur, de ta victoire future. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un déclare un bon. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on a été bénis? Amen. Alors, on va dire merci au Seigneur Jésus. Et on va dire merci au Seigneur Jésus, pardon, au travers de nos offrandes. La deuxième offrande vient recueillir nos dons pour la croisade d'évangélisation. Vient recueillir nos dons pour dire merci à Jésus pour la parole reçue. Vient aussi recueillir nos dons pour les travaux de construction. Donc, si tu veux dire merci pour le message, c'est l'occasion. Si tu veux semer pour la campagne d'évangélisation, tu peux le faire ou aller à la fin au stand. Et si tu veux semer pour la construction, c'est le moment. Nous allons ensemble apporter à Dieu
tout en suivant les good news. Apporte ton Seigneur.